Ce jeu, on l'a terminé, en fait. C'est ça, le souci. Là vraiment, c'est rapido. Faut mieux que tu gères tes envies soudaines de live, il y a les EUM dans une heure. Mais ça commence à m'emmerder, ça aussi. On peut rien faire de nos vies, maintenant. Il y a toujours des trucs. Moi, les gens qui veulent me regarder, ils me regardent. Si vous voulez pas me... Enfin, si vous voulez regarder d'autres gens ou s'il se passe d'autres trucs, c'est pas grave. Mais sinon, on s'en sort plus. Tom Tom, merci pour les primes. C'est pas grave si on est 2000, 3000, 1000, on s'en fout. Donc, on est comment niveau repassage? Ah, niveau repassage, on est carrément absent. Mais il va falloir que je lui en mette pour Popcorn. Popcorn, c'est le seul moment où je repasse mes fringues. Voilà. Je regarde les deux. Non, mais ouais, tu vois, c'est pas grave. Y a aucun problème. Mais là, en ce moment, c'est vrai que j'étais en mode, bon. Alors. Tu dis ça, mais beaucoup de streamers ne font rien avec Popcorn. Oui. Ouh. T'en as plein qui stream. Avant, t'avais vraiment la possibilité de rien faire si un mec faisait quelque chose sur Twitch. Maintenant, les gens s'en foutent, tu vois. Alors, c'est clair que... Ah, mais je dépasse du cadre. C'est clair que tu vas sûrement pas faire tes plus grosses audiences si tu live le jeudi en face de Squeezie ou, tu vois, genre le mardi en face de Popcorn. Mais bon, on live pas pour faire nos plus grosses audiences. On live pour partager des moments, quoi. Qu'est-ce que c'est que cette merde? J'ai deux cadres, en fait. Pourquoi j'ai deux cadres? Alors ça, c'est pas moi. Oh putain! Eh ben la belle surprise! Attends, mais ça fait combien de temps que j'ai ça, là? Ça fait combien de temps que j'ai un trou? Hop là. Délicieux. Delicia. Ah si, vous me mata. I see to pay. Ok, on est parti. Tout va bien. Bon, là, c'est juste petit échec. Mais j'avoue que Mario Kart, ça me chauffe bien. Parce que du coup, mercredi, donc ça a été annoncé. Donc, Gigi nous refait un événement team contre team. La revanche, alors bon, sans tout spoil, il y aura des gens qui seront pas là. Il y a des gens qui seront... Oula. Il y a des gens qui... C'était nul, ça. Il y a des gens qui seront peut-être pas là. Le mercredi, moi, j'ai accepté parce que Gigi, c'est le sang. Gigi... Oh bah putain. Gigi, à chaque fois que je lui propose un truc, il est chaud. Du coup, bon, même si Mario Kart, c'était pas mon jeu phare ou quoi. Non, s'il te plaît. Let's go, mon pote. Je lui ai dit direct à Gigi, écoute, mon frère, je serai là pour le combat. Et Mario Kart, du coup, on va essayer de train un peu, histoire de pas être dégueulasse. Parce que c'est vrai qu'on se souvient quand même que... ça peut être compliqué parfois. C'est parfois un peu difficile. Voilà tout. Et pour ceux qui demandent, le line-up de Popcorn de mardi, on l'annonce ce dimanche, comme d'habitude. On reprend les bonnes habitudes, tu vois. Voilà. Draken, merci pour le 5e mois. Jessou, 36 mois. Tom Tom aussi qui lâche son prime. Merci beaucoup en tout cas. Là. Il y avait plein de petits primes, des petits subs et tout. Donc voilà. Gigi depuis les live music AEC. Ah non mais c'est le sang. La rediff de Popcorn c'est le dimanche, c'est le samedi. Mais t'as des vidéos dès le mardi avec le rewind, dès le lendemain et tout, tout le temps quoi. Magic Flow, merci pour le prime aussi. C'est mercredi l'event MK. Ça traîne MK lundi soir du coup. Ça peut se faire une petite session MK à un moment hein. J'avoue que je peux dire qu'il sera là. Bah je pense que... Oh, on peut passer en bas. Ah, je savais pas qu'on pouvait passer en bas. Est-ce que les modos vous avez changé le titre et tout? Est-ce qu'il y a Laura? Si elle aura, normalement le titre est changé. Moi, ça va pas être Laura qui va le refaire. Puisque c'est personne qui l'a fait. Waouh. Commence mal cette année. Eh ben, putain. Ok. Sympa. Ah, c'est que des consonnes, c'est pas simple ça. ALH MTZ, merci pour le sub. Canarty Show aussi pour le sub, merci beaucoup. À quand le retour du FC Silmi? FIFA 22, les gars, FIFA 22. Bon, Laura, on laisse place à ton imagination. Allez, hop. La boucle vient d'être coupée chez Zank. Oh, Zank, j'ai vu, il a dépassé les 3000 subs. Bon, en vrai, c'est propre. Je vois chez Lohan aussi. Lohan, je crois qu'il a sa... Je crois qu'il a acheté une maison, là, ça y est, avec sa copine. Chouki, un an de sub, merci beaucoup. Mais je crois que le Zank, il a eu plus de 1000 subs en un live et tout, donc c'est cool. September, le fait que ça ait baissé un peu aussi, ça aide... Alors, c'est pas des petits streamers, hein. Typiquement, un Zank, quand tu fais plus de 1000 viewers, t'es pas petit streamer, mais c'est pas non plus les plus gros, donc c'est cool de voir mes potos avec beaucoup de soutien. 6000, il a sub, il a, putain la vache. Je dois faire quoi ici?
contre les fruits. Mais c'est nouveau ça, contre the fruit. Je fais quoi, hein? Je comprends pas. Je comprends pas. Quoi? Avoid rising slime? Monte. Mais je dois compter les fruits? Oh, j'ai rien compris. Oh les fruits. Ah ouais, hein. C'est con, hein. Donc en fait, ouais, le... ah bah... En fait, le truc, donc, faut compter lequel il y a le plus de fruits. Et ensuite, tu te mets... Là, c'est les bananes, par exemple. Ah non, tu dois aller sur le nombre de fruits où... À un moment, ça, il y a un décompte. Enfin, genre, il y a un numéro. Non, il n'y a pas de numéro, tu vois. Ah si, le numéro, il va apparaître après, genre. Ah, voilà. 1. Qu'est-ce qu'il y a de 1? Ah, ok, d'accord. Oh, pas mal, là. Par contre, faut réfléchir. Hein. Oh là là, le Théo Clément. 72 mois, sub tier 3. Pff, il donne. Hein. Ok, d'accord, on a compris pour la prochaine fois. On a compris. Stroumphobic, 23 mois, merci beaucoup. Dioxide, 11 mois. Alias, sub tier 2 pour 2... non, sub tier 1, 2 mois. Merci beaucoup aussi, c'est très gentil. Bon, allez, on la gagne, celle-là. J'ai le popcorn en flamme, je suis pas n'importe qui. C'est vrai que t'es solide. T'es vraiment... on a de la chance de t'avoir aujourd'hui. Merci. Et c'est quoi, Remix? Vas-y, je tag dans les deux. Je tag dans les deux. L'émission propose des parcours familiers dans lesquels ont été implantés des obstacles de cette saison. Non mais on dirait vraiment par contre que c'est une émission TF1, tu sais. L'émission propose des parcours familiers. Non. Rejoins l'aventure lors des manches. Inédite 100% jungle. Ah ouais, c'est quand même... pourquoi pas, hein. Le trou dans la cam, PA. Et il est encore là, le trou dans la cam, hein. C'est fou, ça. Ça, ça doit être Théo, ça, encore. M'étonnerait pas. Hein. Ça ne change rien ce que je fais, c'est énorme. Là, il y a un petit trou en bas. Un tout petit trou en bas. Hop là. Là, on est au régal max. Là. Régal max. Je déteste perso. De quoi les autres modes là? Autrubs, merci pour le 10e mois. Swansea, 16 mois. Non mais venez, on se fait peut-être une win. On se fait une win et ensuite on y va. Quelque chose de nouveau prévu pour la nouvelle saison de Popcorn? Bah vous verrez. Il y a plein de petites nouveautés, etc. Après, honnêtement, c'était important pour nous aussi de. Ça, c'est un vrai truc. De garder aussi l'ADN et ce qui nous fait kiffer dans Popcorn, tu vois. On a eu des très très gros invités la saison dernière. Alexandre Astier, Thomas Pesquet. Le but n'est pas non plus d'avoir un invité chaque semaine, parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'on a envie justement d'avoir des invités qui apprécient le mood aussi un peu que beaucoup découvrent, tu vois. Typiquement, Alexandre Astier, il connaissait pas l'univers Twitch plus que ça. Et c'est important pour nous que ça soit des mecs qui viennent pas que faire de la promo, mais qu'on puisse forcément, il y aura peut-être un fond de promo. Typiquement, Alexandre Astier, on l'a eu pour la sortie de Kaamelott, mais qu'on puisse discuter avec, qu'on puisse parler, tu vois, plus que juste le mec vient 10 minutes, ok, j'étais là et voilà quoi. Donc ça, c'est important pour nous et c'est quelque chose qui est pas si régulier que ça dans les médias. Donc même les artistes et tout n'ont pas l'habitude. Donc non, on va pas changer la formule. On va pas tout d'un coup avoir 5 invités juste pour justement faire un truc qui est hyper hypant sur le papier, mais pas forcément quand tu regardes l'émission. On a envie justement de garder ce qu'on sait faire aussi, quoi. Voilà. En court résumé, et ça, on a quelques top tiers, bien évidemment. Vous le savez, c'est aussi le but. Hop là. Magnifique. Invité Denis Brognière quand Koh-Lanta passe le mardi, là. Bon, en fait, on pensait le faire. Et du coup, on pensait carrément, justement, on va passer la deuxième heure de Popcorn, en fait, à commenter Koh-Lanta, mais sans les images avec lui. On se disait que ça pouvait être cool, tu vois. Ça créerait vraiment une plus-value de... Oh là là, Claude, ce qu'il lui a mis Tu vois, on se disait que ça pouvait être sympa de... Petit react sans image, on se disait que pour la saison de Popcorn, c'est ce qu'on avait envie de faire. Et après, quand il y aura sûrement la Ligue des Champions, on fera sûrement un multiplex sans image, du coup. Donc, c'est à voir, hein, c'est pas encore définitif, mais on étudie, quoi, on est sur le dossier, quoi. Kéros, merci pour le prime. Hop là, je vais à gauche. Finalement, à gauche-droite. Aiden Moon aussi, 13 mois, merci beaucoup. C'est très gentil. Tu veux dire qu'il y a des invités de l'autre tiers? Non, mais dans le sens où, bah forcément, Thomas Pesquet fera plus réagir les gens que des invités parfois moins connus. Mais c'est pas parce que quelqu'un est moins connu qu'il est moins intéressant. Tu vois, typiquement, on a eu un nombre de challengers que les gens connaissaient pas,
Et au final, t'es en mode, c'est passionnant, quoi. Et ça, ça me plaît bien, ça. Donc voilà. Voilà, les amis. Salut, Unless. Casquette verte. Non. C'est pas un coureur? Non. Je ne sais pas, mais de toute façon, vous verrez, les amis. La reprise, c'est ce mardi, de Popcorn. Et voilà, le mouton qui offre 2 subs. Nos premiers subs offerts en cette période de septembre. C'est très gentil, le mouton. Merci beaucoup. Merci énormément, c'est très 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 gentil. Les émissions sur le sommet, mais il y en a plein. 20h comme d'avoue, ça sera 20h. Ça sera 20h et là on essaiera un peu plus, comme je disais, d'être à l'heure. Voilà. Le trailer est stylé, il faut admettre. Bon, écoute, on voulait faire une petite surprise, c'était plutôt cool. Aucun rapport, parce qu'on va pas non plus faire la waiting room de Popcorn avec les questions. Moi je vous laisse découvrir aussi. Parce que, oh là. Ah oui, Alias, du coup, qui lâche 10 subs. Alias, merci beaucoup, c'est un coureur d'ultra très chaud. Ah ouais, je crois que je connais, j'avais vu sur Strava. Merci énormément Alias pour les 10 subs, bienvenue à tous. Bienvenue les amis, merci beaucoup. Est-ce que le FC Simi va reprendre? Bien sûr, ça va reprendre aussi, mais pas... Laissez-vous la patience. Laissez-vous la patience. Auguste. Non mais ce matin, alors aucun rapport, parce que là sinon je sens que vous allez me poser 20 000 questions autour de Popcorn, et comme je dis, vous allez voir, c'est mardi, donc il n'y a pas de problème. Putain, ce matin là, Netflix, ils ont sorti un... Enfin, ils l'ont pas sorti ce matin, mais un docu en 5 parties sur le 11 septembre, un peu tout ce qui... tout ce qui s'est passé autour, réexpliquer le truc et tout. J'ai commencé, là, j'ai maté 2 épisodes, c'est pas mal. Hein. C'est émouvant, c'est... ça te prend au trip, et comme c'était un truc... on était quand même... Enfin, moi, j'avais 7 ans, tu vois. J'ai vu, c'est incroyable. J'ai pas encore fini, mais ouais, c'est quand même... T'as vu la vidéo d'Hugo sur ça, d'ailleurs. Avec le chef du FBI. Ah non, j'ai pas vu... j'ai pas vu celle d'Hugo. Ah, mais c'était pour les 20... Ah non, les 20 ans, justement, ça va être là. Aïe Marturo, merci pour les 5 subs. C'est quoi le nom? Il y a un T. 11 septembre, quelque chose avant. Un peu à la Tchernobyl. Non, pas à la Tchernobyl. Pas la Tchernobyl, c'est... Non, parce que c'est pas du tout romancé, dans le sens où c'est plus le côté documentaire. C'est plus le côté documentaire où tu vas avoir des interviews, des gens... oh putain, il y a des nouveautés comme ça, ok. Plus des gens qui étaient dans les tours en fait à ce moment, qui vont témoigner. Et ensuite des personnes, des sergents, des pompiers, différentes interviews, tu vois. T'as des témoignages, c'est toujours difficile quand même, hein, quand t'entends... les gens qui étaient à bord des différents avions, qui laissent le dernier message à leur famille. Même 20 ans après, je me suis réveillé avec ça, j'étais en mode, ok, bonne journée, bon samedi, on va peut-être lancer Fall Guys, hein, allez. Allez. Ça me fait tellement rien, le 11 septembre, zéro sentiment. Ouais, bah c'est... Je te dis pas que c'est un truc auquel je pense tous les jours, mais quand ça en parle, etc., c'est quand même des images de... C'est des images, tu vois, enfin, d'avions qui percutent. Donc si t'es vraiment pas touché par des gens qui sautent du 150e étage parce qu'ils vont brûler vif. Il faut arrêter d'aller sur des sites avec des vidéos très très hardcore, je pense. On l'a peut-être tous fait, hein, ça a peut-être touché notre sensibilisation, mais il faut... Sensibilité, plutôt. il faut arrêter. Les sites sombres, il faut arrêter, je pense. Hein, ça. Clairement. Non, mais en tout cas, ouais, j'ai commencé. En général, c'est parce que les gens l'ont pas vécu. Ouais, c'est ça. Je pense que si... moi, je me souviens très bien, le 11 septembre. Je me souviens que ma mère était venue me chercher à l'école. Mais, enfin, c'est normal, après les cours, quoi. Parce qu'à l'époque, l'information se diffusait quand même beaucoup moins rapidement, quoi. Ce qui fait que c'était pas en 2-2 où t'avais le truc, t'attendais le journal de 20h pour... Oui, c'est vrai qu'il y a des trucs comme ça. T'attendais le journal de 20h, justement, pour savoir ce qui s'était passé la journée, quoi. Et t'avais pas l'info, et du coup, j'avais 7 ans, ouais. Donc j'étais en primaire et je me souviens, ouais, ma mère qui me tient au courant de ça, et je me rendais pas bien compte, et le soir au JT, c'était Claire Chazal ou PPDA, mais qui... Mais ouais, je... C'était quand même un truc à part. Hein. Je jouais à un jeu Harry Potter. Non, mais c'est vrai que ça te laisse... Vous souvenez-vous ce que vous y êtes ou autre? Ma daronne croyait que c'était un nouveau film américain, no joke. Sérieux? En même temps, c'est tellement... Il y en a eu, hein, des attentats dans les années 80, 90, etc. Je savais pas d'ailleurs, parce que dans le docu, t'apprends que en 93, je crois, il y avait eu justement un attentat déjà contre le World Trade Center. Une bombe qui avait explosé, qui avait fait 5 morts et pas mal de blessés. Mais je savais pas du tout. 5 ans en 2021, donc pas trop. Ouais, moi c'est un souvenir, mais très large, quoi. Et je me souviens, dans le lendemain, il y avait eu une minute de silence, je crois, ou quelque chose comme ça, mais j'ai vu les images des blessés le soir, j'en ai pleuré. Ouais, moi ça...
Pas que ça m'a pas touché à ce point, mais ça me fait... Enfin, c'est pas pour faire le mec. Et moi, je pleure pas hey. Mais c'est vrai que j'ai dû... C'est rare que des choses me fassent pleurer, tu sais, des... Mais sans que ça soit forcément bien, loin de là, hein, parce que parfois, c'est sympa de pleurer. Enfin, ça te libère. Et je pleure pas hey, j'ai pas pleuré. Matt Blitzer, merci pour le 25e mois. 3 minutes de silence. Ouais, c'est ça, ouais. Fallait pas attendre 20 heures, hein, tous les programmes étaient interrompus. Ah, sérieux? Bon, moi, je dis de la merde, alors. Je dis de la merde. Moi, c'est le souvenir... Ah, merde, c'est pas du tout là. On a perdu. C'est le souvenir que j'en ai, mais parce que j'étais trop petit, j'avais 7 ans, donc, tu sais, j'étais pas en mode, attends, je vais zapper pour avoir l'info. Mais oui, tu m'étonnes que tout avait dû être stoppé, etc. Non, mais ce que je veux dire, c'est que souvent, quand même, c'était beaucoup moins... Même, tu le vois dans le documentaire, que l'information, elle circule beaucoup plus difficilement, quoi, tu vois. Au début, les mecs, ils disent quand même à bouche que c'est juste un petit bimoteur qui a percuté le World Trade Center et ils pensent que c'est un mec crise cardiaque, tu vois, donc... Oh putain, là, faut bouger, là. Oh là, je suis pas réactif. Oh, c'est foutu, là, je pense, hein. Je le sens mal pour nous. On prend quand même des bons points. Faut qu'on se le dise là. Oh là là, j'ai perdu. Non, ça va. Pas de panique, père. Faut aller à un autre endroit. Là-bas, je vais forcément avoir. Bon, 7 sur 11, quand même, c'est chaud. Non, c'est 100% bon. Voilà, tout va bien. Tout va bien. L'abonnement gratuit de Prime n'existe plus. Si, si, toujours. Si t'as un abonnement Prime Amazon, tu peux t'abonner toujours à une chaîne gratuite. À quand Domingo Jam, histoire de s'ambiancer. Non, non, mais là, je pense qu'on va ouvrir à quelques émos de BTTV cette année. Voilà. En vrai, on comprend que tu trolls, mais notre joke, une idée de Denis de... Ah. Ouais, ouais. Le truc de tout à l'heure, putain, tu as réagi avec un peu de temps, ou alors t'as remis ton message plusieurs fois. Mais c'est vrai que c'était tout à l'heure. Palm Trees, merci pour le deuxième mois. Des navigateurs, Trice prévu, la Transat Jack Vabre en novembre. Peut-être, ouais, peut-être. Ah, vous verrez, on a pas mal d'idées, pas mal de gens qui ont envie, ouais. Not Bad Dream, merci pour le dixième mois. 5 ans plus tard, Domingo accepte enfin BTTV. Et on va filtrer, dites-vous. Quoi? Mais qu'est-ce que tu dis, Gustave July? C'est quoi ces propos, là? What the heck? Mais mec, on est où là? Où est-ce qu'on est là? Oh là, t'as la dernière fois. Aucun. Je sais pas si vous étiez là, genre lundi ou propos limite, pas plus que ça là. Sauf s'il y a une. Oh non, non. Oh là là, je suis à chier en plus, je suis à chier. Ah non, mais là, ça va clairement faire. Il va nous quitter là. Il va nous quitter directement, là. Mais, c'est terrible. Non, putain, je me suis retrouvé, Oh ouais, en plus, il n'y a pas de contre-argument où le mec s'est mal expliqué. Il nous quitte, hein. Et il nous a quitté. Sarah l'a fait partir. Tu regardes même pas l'écran. Non, mais là, il a dit une grosse dinguerie, quand même. L'autre, il nous a sorti que le 11 septembre, ça avait ouvert les yeux du monde sur les musulmans. On est où, là? Eh oh. Pas possible, ça. Attendez... Le mec, 3-4 messages avant, était normaux pourtant. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui... Je me suis dit, c'est pas possible, il a merdé pour se retrouver à écrire des trucs comme ça. Comment tu peux te retrouver à écrire des trucs comme ça? C'est pas possible. Deos, merci pour le 10e mois, Not Bad Dream aussi, dis-moi. Il n'est plus sur le chat, il est désormais permaban. Mais non, putain, je sais pas si vous étiez là... c'est lundi, je crois? Ouais, c'était ça. Lundi, on a fait... ça te bute une game, ce genre de sortie, mais bien sûr. Et je crois qu'il y a méprise. Bah, il va falloir une grosse explication. Mais bref, passons sur lui là qui n'est plus là. C'est Turning Point, toi, le docu. Non, mais regardez, monsieur, moi j'ai juste pâté ça ce matin. Hein, je suis pas là pour faire les. La vie, quoi. Quoi? Qu'est-ce qui se passe là? Calmez-vous. En gros, lundi, on a eu un peu des discussions où on a refait le monde. À peu près avec ce nombre de personnes, tu vois, dans une ambiance différente parce qu'il était 3-4 heures du mat, sur des sujets qui sont un peu parfois bancals et difficiles d'aborder, tu vois. Typiquement, tout ce qui est justement communauté LGBT, etc. Où moi j'ai un point de vue plutôt très ouvert, tu vois, où je suis dans ce côté, faut tolérer les gens, quoi. Enfin, c'est pas, on peut pas.
On peut pas juste rejeter la différence, quoi, c'est pas possible. Et bref, du coup, on a eu vraiment, on a un peu refait le monde lundi soir et compagnie. Je me suis retrouvé avec qui? Bah, en live, avec vous, c'était cool, parce qu'il y avait des points de vue différents, en étant respectueux, ça c'était important. Et en gros, à un moment, genre, en fait, il y a un clip, alors je parle vraiment pendant 2-3 heures, tu vois, on parle d'homophobie, etc., quoi, c'est plus possible, enfin. Moi, bon, là-dessus, je suis assez clair et. Et c'est important même pour moi, tu vois, le côté respect, de respecter les autres, que ce soit couleur de peau, religion, orientation sexuelle, tu vois, bon. Et en fait, il y a un TikTok qui sort de 9 secondes où je dis genre, alors je sais plus pourquoi, mais en gros, je devais répondre à quelqu'un qui devait dire soit une dinguerie ou autre, en mode, bon bah je suis homosexuel moi, machin. Je sais plus ce que je dis, mais le TikTok peut faire croire que genre c'est un coming out que je fais, t'sais. Genre en mode... Je sais plus pourquoi, tu vois. Et du coup, il y a quelqu'un, communauté LGBT, qui vient, qui me tag sur... Ah, c'était sûr, ça. Hein. Qui me... Allez, hop là. Qui me tag justement sur Twitter en mode « Mais attends, mec, mais t'as pas honte de faire des faux coming out, tu te rends pas compte à quel point c'est difficile et tout. » Alors que concrètement, je passe 3 heures en live à expliquer parfois à des gens qui n'ont pas l'esprit vraiment ouvert, et c'est gentil de le dire, déjà. Oh là, c'est pas possible, frère! On va pas parler de sujets comme ça si c'est pour louper des... Et... Bah que justement, enfin, c'est difficile, quoi, tu vois. Qu'il y a plein d'agressions homophobes, que, enfin, c'est pas simple. Bref, le mec, du coup, je lui fais comprendre que, attends, là, je passe 3 heures, justement, à défendre ça, pour que tu me le remettes dans la gueule, le mec me met un truc borné, tu vois. Et je me dis, vas-y, je me prends même pas la tête, juste, le gars, je l'ai bloqué, parce que pour moi, je trouve que c'est pas parce que t'es homosexuel que tu peux pas, que t'es pas forcément con, hein. Il y a des cons dans toutes les communautés, il y a des gens qui se braquent et qui... Donc le mec, je l'ai bloqué direct, en mode, ça sert à rien de discuter, juste le gars est borné, braqué, et il veut pas entendre un autre point de vue, donc il y a aucun problème. Mais tu nous emmerdes, toi, qu'est-ce qui se passe, là? Ça a fait sortir le samedi après-midi, là, il y a les cons qui sont sortis, là. Et bref, du coup, je suis en mode, allez, rien à foutre, je suis pas là pour discuter avec tout le monde. Et là, un autre gars arrive, parce que du coup, comme j'ai répondu, c'est l'enfer quand tu parles sur Twitter, c'est que du coup, tes tweets, parfois, sont vus par plein d'autres gens, tu vois. Et j'ai aussi des lettres, justement, en me disant, oh là là, le mec a un point de vue très extrême, où il essaye pas de comprendre quelqu'un qui essaye, justement, d'ouvrir la discussion et essaye d'ouvrir les yeux sur des gens qui... sont à la limite de l'homophobie, tu vois, d'essayer de mettre des valeurs de tolérance et tout. Et du coup, je me dis, bon, vas-y, je vais délaître, comme ça, le mec se fera pas emmerder. Sauf qu'il y a un gars qui a eu le temps de, justement, lui répondre. Le mec, au début, il lui dit, putain, mais t'es trop con, etc. L'autre répond, et le mec, du coup, re-répond un truc. Mais frère, il lui a envoyé, genre, un truc en mode, ta gueule, sale P-word... Du coup, on peut même pas citer le truc. Sale P-word, machin, va sucer des queues, etc. L'intégrale, tu vois. Du coup, lui, je lui ai re-répondu pour dire, putain, mais quel enfer. C'est pour ça que j'ai des lettres, justement. Parce que l'autre, déjà, il est con, donc le débat, il va pas avancer. Et pour éviter que des grosses merdes comme toi, avec des propos homophobes, se ramènent, quoi. Et du coup, après, il a re-répondu, il a fait... je suis désolé, je sais pas ce qui m'a pris. Je m'excuse aussi, il s'est excusé envers l'autre. J'étais en mode, cette interaction... Internet n'a aucun sens. Et je redélète juste pour que le truc, que les mecs se fassent pas emmerder et tout, mais j'étais en mode, putain, mais quelle était cette interaction de tous les côtés, tu vois. Donc l'autre, bien sûr, on a déduit que je suis homophobe et que ma communauté est homophobe. Enfin, instantanément, tu vois, ça a été directement... voilà, je suis un nazi à ses yeux, hein, à l'autre personne. Ah, mais du coup, j'étais en mode, ok, est-ce que j'aurais pu ne pas répondre du tout de base? Est-ce que c'était pas une... est-ce que c'était pas une option? Mais bon... mais bon, depuis ils sont en couple, ils ont adopté un enfant. L'histoire est belle. Un film est en train d'être tourné. On a racheté les droits. Ne jamais répondre. Non, mais j'aime bien parfois essayer de convaincre les gens, mais que ça soit d'un côté ou de l'autre, tu vois. Mais bon, mais c'est vrai que parfois ça vrille un peu. Mais c'est vrai que souvent, quand j'ai le genre de truc, je délète parce que sinon les mecs se font soit insulter, etc. Et ça part en couille, quoi. Oh, sa mère, tout va bien. Bon, attendez, on se concentre, parce que là, on parle de tout et on parle de sujet... Oui, je suis homophobe. Bon, bah, ciao, alors. Non, mais qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui se passe cet après-midi, là? On s'est réveillé en... Il pleut dehors, non? Il pleut, putain. Il pleut, c'est pour ça, bordel. Ah, la pluie, ça... La pluie, ça ravage des cerveaux. Non, non, PA. Tout va bien, tout va bien. On aimerait bien se faire une petite finale. 100% des gens vont changer d'avis en lisant un débat Twitter. Ah, mais le but, c'est pas de...
C'était plus à la personne pour lui faire comprendre, tu vois. Mais bon. C'est... Non, mais lundi soir, j'ai vraiment bien aimé. C'était une discussion intéressante parce qu'il y avait des avis, ça se respectait, des avis différents, des gens qui, sans que ça soit, les avis n'étaient pas. J'aime pas les homosexuels et l'autre, l'inverse, tu vois. C'était pas ça l'idée. Hein. Donc, Enfin, bref, des nouvelles du Xari. Qu'est-ce qu'il a, le Xav? Il a pas stream 250 heures cette semaine? Ça peut être étonnant, là. Alors, il vient de tweeter. Let's go, Pierre Gasly, encore une fois, le crack. Ah, c'est les qualifs, donc normalement, ça doit être bien. Ça doit être le GP, quoi. Il me manque. Non, mais du coup, on va pas se refaire le débat. Hein. On va pas se refaire le débat, pardon, parce que y a quand même beaucoup de cons, beaucoup de gens qui sont très, très arriérés ou très fermés, qui ont du mal juste avec le fait de laisser vivre les gens. Donc, s'il vous plaît, pardon, j'aurais pas dû... Putain, j'ai enchaîné, c'est vrai que j'ai enchaîné 11 septembre, into ça. Putain, le samedi, il est pas léger, quoi. C'est pas un samedi Fall Guys où juste on saute sur des meubles, quoi, là. Hein. C'est... Là, il y a peut-être des erreurs qui ont été faites de mon côté, là. Là, j'avoue que, ouais, là, on était sur... Allez, qu'est-ce qu'on dit? C'est fou, quand même, la Formule 1, hein, comment ils vont vite. Vous avez vu un peu Pierre Gasly, là? Il va très, très vite. Hein. Parce que déjà, en Formule 1, les mecs vont vite. Alors là, il va encore plus vite, quoi. Eh bé. C'est dingue, ça. Hein. Voilà, c'était mon analyse. Oh, mais là, je vais direct là. Super, ça a bien marché. Ah, ça, on peut pas s'agripper, en fait, ok. Ah bah, je suis niqué, du coup. Bah, comment on peut sauter là-dessus, là? Ah si, on peut. Ah ouais, on nous a menti de ouf. Oh ouais, j'ai bien fait, je me suis accroché, c'est bon. Il loupe tous ses sauts. Non, mais c'est pas si simple, cela. Parle de ta préparation marathon, c'est énorme comme projet. Bah, j'en parle pas mal, j'en ai beaucoup parlé la dernière fois, là. Bah, écoute, non, ça se passe bien, beaucoup d'entraînement. Je fais des petits débriefs, souvent, donc... Il manque un bon sujet Twitter. Putain, j'ai vu Ahmed Silla, on va pas en parler en top tendance, là. Good Cat, merci pour le Prime. Et ensuite, je pense qu'on a le bingo, là. Luxor du Nord, 16 mois, 27 mois, G-Walls. Flora aussi, 16 mois. Et Nafnaf, 7 mois aussi, merci beaucoup. Vivement ce mardi pour le retour de Popcorn, bonne chance. Merci beaucoup. T'as des chaussures à conseiller pour la course à pied, STP, PA. Ça dépend. Alors, tu vois, typiquement, moi, je les ai pas encore testés, là, mais les Adios Pro, donc les Adi Zero, la gamme, justement, un peu pro de Adidas sur le running, là où il y a du carbone. Je les ai filés parce que j'ai couru jeudi avec mon pote Nathan, le chauve qui ressemble à Gigi, qui était là au Big Nine, et avec qui je ferai aussi le marathon, en plus de Sacha. Et lui, il avait des pompes. Lui, il court, je sais pas combien il court, mais il doit courir. Là, cette semaine, il a déjà dû courir 80 km, quoi. Le gars kiffe les longues distances, donc 350 balles. Non, elles sont à 220. C'est cher, mais c'est carbone et c'est grosse techno. Et il me disait, là, du coup, parce que j'étais un peu curieux de savoir, au-delà du côté marketing, de ça fonctionnait et tout, à quel point lui, il était refait. Hein. Il avait des pompes, ça faisait 900 km qu'il les avait. Je lui ai filé deux paires, il était en mode, c'est Noël. Et il me disait, en gros, alors, je vais te retrouver le message. Attends, je me concentre et je vous retrouve le message après. Mais je crois que, en gros, à effort égal, la techno des pompes, etc., lui font gagner 5 secondes tous les 350 mètres. Ce qui est assez énorme, quand même. Hein. Tout va bien, je maîtrise. Donc, ce qui est quand même assez, assez stratosphérique, quoi. Et moi, j'ai... Oh là là, mais... C'est terrible. Et j'ai pas encore essayé, mais pour un mec qui court sur des allures pas loin des 2,40 le marathon, donc... Des monstres... Ça devient très intéressant, quoi. Attends, je vais te dire ça. Il m'a dit quoi, exactement? Alors, je gagne presque 5 secondes... pour un effort identique, je gagne presque 5 secondes toutes les 350 mètres sur piste. Incroyable, c'est n'importe quoi, c'est les chaussures, bonne récupération et journée. Donc, Clogan, merci pour les 5 subs. Donc, lui a l'air d'avoir vraiment bien kiffé, quoi. Ça me paraît beaucoup, quand même. Bah, c'est tout ce qui est techno, etc. Hein. C'est genre... Après, il est passé de pompe un peu classique à comment s'appelle à justement le truc carbone qui fait que tu vas plus vite. Manche finale, temple perdu. Ah mais ça c'est la run de merde. C'est 15 secondes au kilomètre, c'est incroyable. Ah ouais, non, c'est vraiment beaucoup. Après là c'est sur des temps rapides, c'est à dire que je pense sur une très longue distance ça réduit justement ce que tu gagnes, tu vois. Donc Noirf, Kov et Nafnaf, merci beaucoup. Après je pense qu'il était surtout très content et que c'était nouveau, donc je sais pas si c'est des statistiques vraiment sûres et certaines, quoi. Tu vois, donc mais ouais, non, ça joue quand même, hein, je pense. Hein. Mais je vais bientôt les essayer, moi. Je vais les essayer cette semaine, là, justement, sur du fractionné. Tu peux sauter là, ouais.
Putain, j'ai cru que c'était... Oh bah là c'est la fin, non? Ah c'est fini là-dessus, non? Oh le seum, oh, j'aurais pas pu quoi qu'il arrive. C'est le pire jeu. C'est le pire jeu. Kov aussi, Kov qui a offert 10 subs. Merci beaucoup les frères, c'est très gentil. Merci énormément. Non mais du coup elles sont pas mal, mais en vrai t'as pas mal de gamme là je crois avec les Solar Boost si tu veux. Mais enfin, je suis pas dans une position où je peux vraiment vous conseiller des paires, j'ai pas assez couru et je m'y connais pas assez tu vois. Donc non cette épreuve en finale elle est nulle, hein. Elle est nulle. Bon déjà on se fait une petite finale, on se fait une petite finale là, le but c'est de les enchaîner. On va aller chercher une petite win et ensuite on ira sur Mario Kart. Comme ça c'est clean. Mais c'est vrai que là, tout ce qui est technologie et tout ça te permet quand même beaucoup de... Enfin tu vois au JO ça a été les gros sujets autour des pointes et compagnie tu vois typiquement. Doudoudou, doudoudou. Bible Bro, merci pour le 9e mois. Le nom de la gamme. C'est Adizero leur gamme un peu haut de gamme justement. Adidas. On se dit quelle heure demain, vieux bolos. Merci. Vous voyez Xiodur, c'est lui avec qui dans le chat là, c'est lui avec qui. Il lâche même pas son prime. Mais c'est une honte. Mais attends, mais. C'est avec lui que je cours tous les dimanches en ce moment. Exiodur, pour ceux qui sont vraiment là depuis très longtemps, c'est celui qui est jusqu'en 2015-2016 ou je sais plus quand faisait justement, enfin gérait toute ma chaîne YouTube, les vidéos genre La Domingo etc, c'était lui qui les faisait et maintenant je cours avec lui et 6 ans après ça met le prime ailleurs. Voilà pas super, bah écoute on se dit 9h30 demain, voilà. J'ai des nouveaux gels, voilà mon pote Narcade, merci pour le 7e mois. Bon allez, ça tag là. Faut que je gagne là. J'ai envie de jouer à Mario Kart, putain. Mais en même temps, on va chercher une win. Une win. Bandef, en vrai. Quel enfer, je t'ai acheté une gourde. Commence pas à gueuler. Bon, c'est gentil déjà. Merci. Je prends quoi comme gel? Je sais pas. En vrai, là, je m'habitue juste à prendre des gels qui, en gros, t'aident à t'alimenter, t'hydrater. Enfin, hydrater, non, c'est l'eau, mais... Mais là, je commence à m'habituer parce qu'en fait, c'est des trucs qui peuvent te détraquer un peu le bide. Et j'ai archi la flemme, concrètement, le 17 octobre, de faire le live. Que vous soyez, je pense, assez nombreux sur le live, tu vois, et que je me chie dessus, quoi. C'est-à-dire, au sens littéral, tu vois, ça serait quelque chose où... Tu vois, ça peut niquer peut-être une carrière, quand même. Tu vois, ça peut justement te mettre un vrai tournant, un avant-après. Un avant-après dans cette carrière où je me dis, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire, pour l'instant ça se passe pas mal. J'ai l'air de pas mal motiver les gens avec des projets, c'est plutôt cool. L'impact est assez kiffant. PA Diniz. Oh putain, j'avais pas vu le truc. Lubs qui a offert un sub à Xiodur. Oh, ça c'est gentil ça. Merci pour lui. Hein. Mais c'est chaud quand même, hein. Ça passe pas loin. Oh, vous avez vu cette rapidité? En fait, j'ai l'impression d'être facile là. Oula. En fait, c'est pas une impression. Pas une impression, je suis juste facile. Ah là, ça peut être bloqué en fait là. C'est où? Ah, faut aller là. Oui. Oh non. C'était bien joué sinon. Ah, mais moi je vais direct sur le côté, moi je me fais pas chier, hein. C'est le Kipchoge, y'a que ça de vrai, j'en ai pour demain. Ah putain. 10 balles le gel. Non mais c'est vrai que c'est des trucs un peu particuliers, parce qu'en fait c'est genre des boosts de glucose, de machin, etc. Oh là là, incroyable cette map. Elle est bien cette map, hein. Grâce à toi, je me suis remis au sport quand même. Non mais ça fait plaisir, vous êtes beaucoup à... Bah, à vous chauffer un peu, à avoir envie de justement reprendre et tout, donc... McFly s'est pissé dessus et ça va. Comment ça, hein? Si un nerd, c'est pour le 45e mois. Pour moi, t'es le meilleur joueur de Fall Guys. Ah, je trouve que ta capacité d'analyse est assez bonne. Hein. On va pas se mentir que... Je te connaissais pas trop avant, c'est la première fois que je lis tes analyses, mais pour l'instant, elle me semble 100% pertinente, donc... Comment c'est... Dans les... Ah, il s'est pissé dessus le 14 juillet? Ah, quand même, hein. Ah ouais. Genre... Mais dans l'avion. C'était un pipi stratégique, c'est-à-dire.
C'est-à-dire, parce qu'il avait envie de pisser. Bah j'imagine, généralement quand tu te pisses dessus, c'est... Il y a un lien pour l'instant. Ah ouais, c'est... Si tu regardes la vidéo, tu comprends. Il avait besoin, mais il pouvait plus quitter l'avion, du coup il a tout lâché. Ok. Pas de peur, il voulait profiter du vol et pas avoir envie de pisser. Mais il était déjà setup, il pouvait pas aller aux toilettes. Stratégique car ça a libéré. Ouais, c'est une stratégie très dos au mur quand même, là, j'ai l'impression. C'est-à-dire que quand même... c'est pas la stratégie, c'est pas la... Enfin, si c'est ta première strat d'entrée de jeu, c'est du all-in, c'est sûr, quoi. Parce que moi, j'aurais peut-être tenté la première stratégie qui est de se retenir. Et ensuite aviser, quoi. Mais bon, ça arrive, hein. Pourquoi... Enfin, ça arrive, pourquoi pas. Pas possible avec les jets que tu prends. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, mais du... Ouais, c'est vrai. Il allait exploser. Ah putain, ça j'avoue que c'est... C'est quoi ce jeu? J'ai pas eu bon là? Je suis arrivé au bout? Bah en vrai j'avais l'air d'être bon. Oh la flemme. Oui j'ai contré. Non mais attends je comprends pas. J'étais dans le trou là. Ah faut marquer des points c'est vrai putain. C'est ça le truc. Ah oui parce qu'en fait j'ai fait une seule fois la map et j'étais qualifié à la fin. Et j'avais pas compris pourquoi. Ah ok. Ah oui, faut passer des portes, ok, d'accord. Ok, Jeffrey, plus que 3 dodos avant mardi. Oh là là, quel boss. L'autre con, merci pour le 11e mois. Faut faire 15 au total, en fait. C'est ça. Non, non, mais bon, en vidéo, ça va. Mais c'est vrai que typiquement, honnêtement, Johan Diniz, tout le monde le connaît pour ça, hein, tu vois. Parce que la marche, c'est quand même pas sexy et... J'ai essayé un gel pour avoir du glucose, j'ai vomi. Ah ouais, non, mais après, moi, ça va, j'ai testé, c'est pas... Au fur et à mesure, ça t'aide quand même pas mal, quoi. Je suppose que les cercles dorés font plus de points. Ouais, sûrement, ouais. Ça y est, les pilotes de chasse du chat sont de sortie. Moi, j'avais fait un vol justement en avion de chasse. C'était la folie. C'était une OP au nord il y a 2 ou 3 ans. C'était vraiment sympa. Enfin, à un moment où je me suis évanoui. J'ai perdu connaissance une seconde, quoi. Mais c'est vrai que c'est pas mal. Et en même temps, moi, c'est pas mes trucs. Tu vois, j'aime pas trop les sensations fortes. Donc... Honor 8X, hashtag ad, c'est exactement ça. Titix, merci pour le 4e mois. Ça part pour faire le top 1. Oh, mais là, mon pote, c'est cadeau, là. On avait vu récemment ta prestation d'avion de chasse. Sérieux, Xara, il avait réacté ça? Je rêve de faire ça. En vrai, c'est vraiment une très très bonne expérience. Bah, tu prends des G, quoi. Donc, Oh là là. Oh, mais je force, là. Il faut que je tape le truc. Il n'y a pas d'autre choix de toute façon. Sinon je suis mort donc... Non mais j'ai jamais été aussi nul. En fait en même temps à chaque fois je saute... Non mais gros, c'est horrible d'être aussi nul. Non mais là c'est perdu là. Oh c'est bon. Allez, nouvelle game. Nouvelle game. Faire un vol 0G dans l'avion. Bah si je pense que c'est des sensations que... Bon, on aura essayé. Stop plonger. Il faut pas plonger, tu t'accroches pas plus? Neyrod, merci pour le 6e mois. Je suis le meilleur joueur français de Fall Guys, hein, comme vous avez pu voir. Bon, allez, on quitte vite. Je pense que dans les... On peut faire un petit bet, si vous voulez. Dans les deux prochaines, je fais un top 1. Je pense que c'est free coin de dire que oui. Je vous le dis comme ça. Tu glisses plus, ouais, quand tu t'accroches. Normalement, c'est ça qui se passe. Mais bon. Non, mais ouais, c'est vrai que 0G, c'était quand même sacrément kiffant. Après, c'était un peu particulier, parce que du coup, ils te font faire des vrilles, des machins... tu perds du temps à te relever. Ok, d'accord, Furo, je note pour la prochaine fois. En fait, ils te font faire des vrilles, ils te font un moment... Du coup, à un moment, en fait, t'es en 0G, parce que tu te fais une sorte de looping, et qui fait que quand t'arrives, justement, en haut du looping, et que t'es comme ça, là, je crois que t'es en 0G. Ah, moi, je me suis... boum, hop là. Boum, petit blackout.
Hop, ça se relève. Hop, on est où? Yes, c'est énorme. Et en fait, le souci, c'est qu'au bout d'un moment, on a fini. Et le problème, c'est qu'à la fin, j'étais pas très bien, tu vois, quand même. J'étais content d'arrêter, de rentrer, de poser pied sur terre. Et le truc, c'est que le mec... En fait, il y avait eu un souci sur un autre avion. Et du coup, on a dû faire des tours. Donc, on est resté genre 10 minutes de plus, quoi. À faire juste des tours, tu vois, à attendre. Et le moment où t'es pas très bien et que tu fais des tours juste pour attendre en te disant, bon, bah... On va bientôt pouvoir rentrer, c'est... Moi, je crois que c'était un avion derrière qui avait un souci. Et du coup, on l'a accompagné, quoi, escorté. Bon, les gars, comme vous pouvez voir, c'est du... Ah ouais, il y en a, ils font des tricks, là. C'est ma game. C'est bon, maintenant, je suis focus. Jet Games, merci pour le 7e mois. J'avais vu un tel niveau. Ça devait être incroyable. Non, c'était vraiment une putain d'expérience, hein. Désolé, PA. Vous avez voté à combien de pourcents? Il n'y a que 27... Ouais, ça va. 27% de oui sur les deux games. Ok, je me concentre. Là, je racontais ma vie. Là, maintenant, c'est tout pour le gameplay. Tout pour le game... C'est deux games, hein, on est d'accord. Hein, c'était bien ça, le bête. Hein. Deux games pour faire un top 1. Moi, je pense que ça va aller. Moi, je te le dis. Je pense que ça va bien se passer. Concentre-toi, ma gueule. Mais oui, c'est que sur deux games en même temps. Oh là là, extrême. Qui a voté non? Aïe, aïe, aïe. Les vols 0G. Je crois que les vols 0G... C'est pas ce que j'ai fait, mais le vol 0G, c'est vraiment... je crois que c'est 6000 balles. Jibs en avait fait un, c'était son rêve. Et je crois que c'est 6000 balles, ouais. Et ça, c'est vraiment fou, parce que je crois que t'es vraiment en gravité où tu voles, quoi. Je crois que c'est 6000 euros. Ah, fruit plus fruit, putain, lui, c'est le nouveau jeu, là. Bon, allez, je me concentre. C'est une aubaine. Oh là là, ça suit le ZNK. Ok, full focus, entre 5 et 7K, ok. Si à la fin il y a des hexagones de glace, ça passe. Alors, qu'est-ce qu'on a? Là, on a une grenade. 3 bananes, une grenade. Bon bah, c'est gagné. C'est déjà gagné, là. 3 bananes, une grenade. Qu'est-ce que vous me demandez, moi? Il y en a deux. Il y avait deux grenades? Ah, il y avait deux grenades. Ah, intéressant ça déjà. Découvre des choses, hein. Ah ouais, mais bon, si. Bon, il y a quoi? Il y a quatre murs. Deux grenades. Non, trois grenades, deux bananes. Quatre murs, trois grenades, deux bananes. Fruit du dragon. Ah, c'est un fruit du dragon, les grenades, là? Mais dégage, toi. 4 murs, 3 grenades. C'est ça, non? Enfin, oui, 3 fruits du dragon, du coup. Le fruit du dragon, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Mais disons que, à la gueule du truc, t'as l'impression que ça va avoir plus de goût. Et t'as l'impression que, du coup, ça va être meilleur. Même si c'est bon, hein, mais... Oh putain, mais y a trop de trucs, là. Ça, c'est quoi? C'est du durian, 2... Non, 3... 3 poires... Et 2. Oh putain, 3 poires. 3 poires et 2-2. 3 poires et 2-2. 4. Putain, je dirais des poires. Je dirais que c'est des poires. Parfait. C'est du scam, les fruits du dragon. Bah, disons que tu vois la gueule du truc, tu te dis putain, ça va être extraordinaire et quand tu le goûtes, t'es un peu déçu. Mais c'est pas mauvais, quoi, mais ouais, ça, c'est un peu décevant. C'est juste légèrement décevant. Voilà, ça arrive, hein. Un peu déçu. J'ai rien compris. En fait, le but, c'est de noter le nombre de fruits qu'il y a, mais on les voyait même pas toutes. Tous, pardon. C'est le truc qui pue. Non, ça, c'est le durian, ça. Mais je crois que c'était ça qu'il y avait, là. Pool party des pingouins. Putain, là, faut garder le pingouin. Il peut pas y avoir deux fruits au même nombre. Ouais, j'imagine. Mais bon, du coup, j'ai rien compris, quoi. Concrètement, du coup. Comme la mangue et l'avocat, aucun goût. La mangue, aucun goût. Alors... une mangue, alors ça dépend, parce que si genre, je sais que dans les îles et Asie, etc., ils mangent la mangue, genre, pas mûre, quoi. C'est la manière de la manger, et du coup, c'est vrai que c'est pas le truc qui a le plus de goût, je trouve. Attendez, je fais quoi, moi, là? J'ai pas de pingouin, là. Viens là, frérot. Non, dégage. Oui, merci.
ne sert à rien, mec. Comme là, il doit y en avoir d'autres, du coup, qui sont déjà tombés et qui doivent être en l'air parce que les mecs l'ont déjà fait gagner, là. Putain, je me suis fait taper. Mais c'est... Oh, allô ? Oh ! Mais c'est quoi cette merde, là ? Je vais perdre. On l'a pas là-bas, là ? Pas un petit pingouin, là ? Vas-y, lâche-le, t'as gagné, toi. C'est bon, t'as gagné, lâche-le ! J'ai perdu. Là-bas, là-bas, il y a un pingouin. J'ai perdu. Je voulais aller en haut, je me suis tapé le truc. Oh, c'est terrible. Oh, j'ai été nul, putain. Oh non, j'ai été nul, là. J'avais jamais perdu, normalement, le pingouin. Faut pas s'arrêter de sauter, PA, pour garder le pingouin. Bah, si tu te fais grab, c'est la même chose, non? Non, mais j'aurais dû monter direct, mais je me suis fait taper. Très égal, merci. En fait, en haut, ils sont tranquilles, les mecs. Mais bon, c'est souvent un problème, quoi. Putain, si tu te fais grab, c'est pas la même chose, non? Si tu sautes et que tu te fais grab, il se passe quoi? J'ai goûté à Madère un fruit, bananas, c'est la folie. Banane ananas ? Parce que... Pour moi, banane ananas, c'est deux fruits, quoi. C'est-à-dire que c'est un fruit plus un autre. Sans... Est-ce que, par exemple, ils ont mis les deux fruits dans un mixeur et ça a sorti un smoothie ? Ça, c'est... De toute façon, les smoothies, dès que tu fous de la banane, généralement, c'est pas mal. Bananas. Genre, si tu mets genre fraise-banane, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je pense à ananas-banane, c'est bon. Les trucs, généralement, banane, c'est propre. Les trucs ananas, c'est propre. Après, faut aimer ananas, ça peut être une ambiance. Hein. Ludo, Xalfa et Andrea, merci beaucoup pour les resubs. Angélique de Madère. Angélique de Madère. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, on est clairement sur... On est juste sur de l'invention, là, ça y est, là. Oh non, dernière fois, là, j'étais au bar, j'ai goûté un cocktail qui était pas mal. C'était rhum, beurre de cacahuète, enfin, un truc infusé au beurre de cacahuète, ananas. Ah, ça m'a rendu heureux. Voilà, le con, je suis à chier aujourd'hui. C'était vraiment pas mal, ça. Oula, ouais, c'est un peu particulier, mais... En fait, c'était un truc infusé au beurre de cacahuète. Non mais putain, je suis nul! J'en peux plus, là. Pourquoi je suis nul aujourd'hui? Je fais pas d'efforts. Voilà, là, je fais des efforts. Là, il faut pas que je tombe. Si je tombe, c'est perdu. Attends, parce qu'il y a quand même un bête, là, en cours. Mais putain, mais il y a plein de trucs rajoutés, en fait. Voilà, tout va bien. Tout va bien, on se reprend. Fruits, madère, ananas, banane, tu vas trouver la photo. Ça, là ? Hein ? Quoi ? Non mais c'est des trucs génétiquement modifiés là. Non, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un vrai truc genre? C'est incroyable. Un maïs vert. Et tu manges à l'intérieur et ouais, je sais pas non plus, furo, mais on s'habitue. Je veux dire que c'est endémique. Ah ok, d'accord, pardon, excuse-moi. T'as eu la correction, parce que j'avoue que le Angélique de Madère, premier lien, psychomotricienne, bon, je me suis dit ok. Pourquoi pas? J'avais jamais vu ça. Hein. J'avoue que. Il y a des variations maintenant dans les niveaux depuis la dernière mage. Ah, ce qui fait que t'as jamais la même map. C'est pas mal en vrai. Hein. T'attrapes des maladies. En vrai, il va savoir, c'est archi bon. Il suffit juste de.
Faut lui donner sa chance, quoi. On sait pas, on sait pas. Hein. We do not know. Bon, allez. Là, c'est la game importante. Il y a des gens qui ont compté sur moi. Il y a des gens qui ont investi sur moi. Je me concentre. C'est ça que j'ai du mal à être concentré aujourd'hui. Je sais pas ce qui se passe. Je vais donner le max, en tout cas. Duc. 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 Mais c'est vrai que ça sert à rien d'aller en haut, hein, toujours. Normalement, en plus, je vais en haut, puis je tombe. Ce qui fait que t'es au max de ça sert à rien. Non, mais là, pour le coup, je commençais à avoir un bon niveau sur Fall Guys, et là, j'avoue que j'ai été nul, là. Donc, on va essayer de... C'est énorme. On va essayer de faire les choses bien. Non, mais attends. À partir du moment où je pars ici, c'est clair que... J'aime pas ici souvent. J'ai été poussé. Oh oui, je suis poussé. Non. Non ! Putain, ça me gave d'être à chier là. Allez, on refait. On refait. Prochaine game, je gagne. Excuse-moi, Ouna. Elle a eu un peu peur. Oh, c'est énervant d'être nul là. Ok, on arrête. On arrête de faire n'importe quoi. Je tac que dans le mode qu'on connaît là. Ah, j'ai vu le 26 sur 28 un peu tard. Je me suis dit, j'ai vu le gars sauter. Ok, c'est bon là. Vas-y. On refait un bet, on refait un bet. Ça win maintenant. J'ai pas de verre d'eau. Ça, c'est un problème aussi. Donnez les coins, là. Putain, il y a des gens, ils croyaient en moi. Et que nenni, quoi. Ça repart tout de suite. Oh, c'est beau, ça. Win sur les trois prochaines games. Non, sur celle-là. C'est énervant d'être nul. Non, mais tu sais, quand t'es d'habitude un peu plus fort et que, ouais, t'es pas bon, ça... Ça te met une certaine tension quand même. En tout cas, c'est mon cas. Voilà, je suis tendu assez rapidement. Taloukafi, merci pour le 11e mois. Je suis déçu, PA. Mais mec, moi le premier. En plus, ça tague pas. Ah, mais en fait, je pense déjà à Mario Kart. Je pense à mon Tanuki, là. Je pense à mon Tanuki qui va faire des... J'ai pas joué à Mario Kart depuis tellement longtemps. Je sais que comme il y a un event... Mais je vais proposer, tiens, là, demain soir. Parce que là, on va peut-être se faire quelques games juste... Non, ça sera lundi soir, pardon. Mais peut-être un petit Mario Kart avec les participants. Ça peut être cool. Ça peut être cool. On croit en toi là ou j'attends encore? Faut croire en moi. Rock Logan qui a lancé une pub. Bon, je fais ce parcours et je balance la pub. J'ai lancé une minute de pub. 200 000... C'est vrai que j'avais oublié qu'on avait ça nous. Hop là, faudra pas que je misclique. C'est où? C'est là. Ah non, c'est... Ah, c'est ici. Genre, je finis vite, comme ça, on y va. Je crois en toi, fais pas le fou avec mes pièces. Non, non, mais... Voilà, déjà, on est mieux. On le sent qu'on est mieux, quand même. Je sais pas si vous le sentez, moi, je le sens. Il y a quoi ici du coup? D'accord, c'est énorme. On va le reprendre dans la gueule. Non mais ça va bien se passer quand même. Là j'ai pris un mur invisible. Hein. Non, mais il y a quand même beaucoup de nouveautés. Hein. Non s'il te plaît frère. En fait c'est pas mal du coup mais ça ajoute... Beaucoup de random aussi quoi. Alors que cette fin. Non mais cette fin, je la dépose. Le sanglier de Cornouailles qui lâche son sub. Merci beaucoup, c'est gentil. CPT Captain, peut-être BT, salut Domi, j'ai vu ta vidéo pour le marathon sub 4. Sub 4, pardon, c'est insane. Merci beaucoup, c'est gentil. Nokway aussi avec le 3e mois, 16 mois pour Disquette Inmar. Les gens en profitent du September. Merci à vous tous. Ce cut, tu le maîtrises. Non mais le cut, faut juste attendre que la grenouille soit grosse. Et tu peux partir et c'est bon. Enfin, t'attends que la grenouille soit grosse et juste 2-3 secondes quand même. Gendouzinho aussi, dis-moi. Ouais, mais tout le monde a la même map. Non, non, mais clairement. Mais parfois, tu peux prendre des trucs qui te niquent. Non, mais là, quoi qu'il arrive, c'est pas une question de malchance, c'est une question de niveau. Je m'assois carrément. Gitox, 2e mois, merci aussi. C'est un sub qui va te faire win, ça. Ah bah là, le sanglier de Cornouailles. Clairement. Malédiction. Comment jouer? Oh, c'est par équipe.
Oh là là, ça c'est full random. Va falloir qu'on soit bon, mais... C'est jump into toboggan. Ouais, mais parfois c'est long quand même, parce que t'attends, tu... En vrai, si je suis maudit, c'est pas... Ah, c'est pas moi. C'est moi ? Ah, c'est pas moi. Parce que là, en fait, ça dépend tellement du mec maudit. Si le mec maudit est nul, c'est fini, quoi. Oh, c'est terrible, parce qu'on peut perdre... Un joueur restant 17. Ah, on a perdu. On est jaune. Ah non, mais ça, j'annule le bet. Hein. Si on perd là-dessus alors que c'est full random... Notre gars n'a pas contaminé un seul mec encore. Hein. Attends, je lui mets des vitesses à l'autre, là. Il y a un mec qui me suit, là. Je l'ai esquivé de toute beauté. Hein. 13, il a contaminé deux mecs. Oh, non, mais... Moi, je me bats en plus. Hein. Oh, fuck. Merci, mec. Il accroche. Il est bon lui là-bas là. Il est bon le con, personne veut le toucher là, il y a 20 mecs qui sont passés à côté. Oh c'est pas possible, mais ils font quoi là? Vous bloquez le? Ok, 1-1. Let's go! Oh la chatte. Oh j'ai servi à rien mais la chatte. Non j'en ai fait galérer un quand même. J'en ai fait galérer un. Ah non 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 non, ça passe. Ça passe, ça passe. Oh putain, merci la team parce qu'il y en a quelques-uns qui étaient chauds chez nous je pense mais... Le clutch, jamais douté. Non, on n'a pas douté. Hein. Le carré du dernier jaune. Le dernier, il a été bon quand même. Hein. J'avoue que... On peut annuler, ouais. On annule le bet, on annule. Ceux qui ont voté, non. Oh, yo, 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 yo. Moi, j'ai toujours cru. Hein. C'est important, de toute façon, même dans les situations difficiles, de pas désespérer. Là, il va commencer depuis combien de temps? 1h30, là. 1h30. Oh, l'attrape-queue. Oh, aïe, aïe, aïe. C'est que des trucs techniques. Hein. Là, il faut juste avoir bah, concrètement la queue à la fin, quoi. Julien, merci aussi pour le 17e mois. Il faut bah, finir, justement, avec avec une queue au bout du temps. Ou alors, ça a changé ou pas? Est-ce que c'est avoir un certain nombre de points avec une queue? Non, c'est juste conserver la queue pendant 1 minute 30. Ce qui est concrètement impossible, quoi. Donc... Un peu la flemme. Hein. On se le cache pas. Y'a un mec qui me suit là. Je peux pas changer la caméra. En fait, tu peux pas bouger la caméra pour voir derrière toi dans ce moment-là. Hop. Le mec va me le voler la dernière seconde. Je vais me le faire voler à la dernière seconde. Hein. Partez vraiment sur cette idée, hein, parce que... Qu'on soit pas déçu, quoi. Oh mon chat, tu m'as fait peur. Ça, c'est mon petit chat, ça, qui nous a fait gagner. On l'a gardé, hein. Ah, mais tu peux la garder tout le long et te faire niquer à la toute fin, ça rend ma boule. Tony, merci pour le 3e mois. Seven aussi, un an que je te donne mon prime chaque mois et sans aucun regret, je t'aime, PA. Merci beaucoup, frérot, bon anniversaire. The Vico, 19 mois aussi, merci énormément. Bon, il nous reste quoi, 9 personnes, là. 9 personnes, c'est une finale à 9. Oh,
Hexagone, la grimpette. It's a green pet. It's a green pet. And today, for the final, we are playing the green pet. I'm not sure Domingo has the ability to win this. Yes. Oh, ça a changé encore, c'est les Pouing. Bon, là, on va... Je suis pas très bien. Faut grave la couronne. Non, mais ça a changé les trucs de fin. J'aurais jamais dû sauter. Je le savais. Aïe. Je suis si loin des autres. Ah, oh, tu peux te faire bump à ce point? L'autre, il... En fait, je pensais que le bump, il te repoussait. Le bump, il t'avance. Oh, j'ai le mort. Oh, j'ai le mort. Ah, c'est un raccourci de ouf, en fait. C'est quoi ça? Oh, y a... Mais en fait, il n'y a que Hexagone qui est bien. Ça peut te bump dans les deux sens. Ah, c'est full random. Oh. Ça dépend, c'est la surprise du chef. Ah oh, ouais, mais c'est trop, ça. Gratin, merci pour le sixième mois. Ah ouais, donc juste... bon, après, de toute façon, l'autre avait été bien aussi, quoi. Le truc, c'est qu'il y a ça. En fait, il y a peu de bonnes finales, je trouve. On rejoue. Hein. Là, on retaque juste. Hein. Là, on est... C'est quoi le titre, d'ailleurs? Top 1 sur Fall Guys et on enchaîne sur du Mario Kart. Sobre, efficace, propre. Elle comptait pas celle-là, si. Je fais pas de partie en groupe avec des subs. J'avoue que je fais assez peu ça. Oh là là. Il profite du September pour faire une partie privée avec des subs. Oh le régal. Oh c'est la prochaine. Oh c'est la prochaine. Allez, en route. On voulait tester les parties privées. Très bon titre, moi ça m'a fait rester. Ah oh, mais du coup chacune est différente là. Yes. Voilà, yes. Voilà. Que je dois juste fermer ma gueule là. C'est le seul objectif. Oh, par contre pas si mal. Je suis nul à ça. Bon, ça passe quand même. Flo, merci pour le Prime. Bistouflex, 9 mois. Je réinstalle le jeu direct. C'est cool, tu vas te faire les doigts dans les oreilles. C'est-à-dire. Rambo Ads, merci pour les Prime. Oh, vas-y, on fera ça pour tester si vous voulez après. Et ça marche, MDR. Pas de prédit. Si, y a, je crois. Hein. Y a, là, il vous reste 20 secondes pour voter. Est-ce que je gagne sur cette game, oui ou non? Pas mieux de faire des prédits, genre atteindre la demi au final. Moi, j'aime bien le côté all in or nothing, tu vois. Et du coup, bon, bah, ça crée des cotes de bâtard aussi. Hein. Là, il y a la cote à 7,31 si je gagne. Mais au moins, si t'as cru en moi et que je gagne, c'est propre, tu vois. Oh, merci pour le 7e mois. T'as trouvé un bandeau pour dormir, père? Non, du coup, je continue avec mes AirPods en les perdant chaque matin. Quand je dois écouter de la musique ou de l'ASMR la nuit. Nope, y'en a pas là. Ah putain, moi j'ai bugué. Ah bah moi j'en vois encore une qui est en train de se faire. Chelou, ok. Ah bah c'est moi alors. Je pensais pas qu'il en fallait à chaque game. Ouais, on peut, Sarah, c'est marrant quand... Drinkologique. Merci pour le 2e mois. Dwarf, 8e mois. Comme ça, celle-là, je vais la gagner juste pour... C'est pas mal quand même. Ah, c'est pas mal en effet, c'est efficace. Hein. C'est plutôt bien comme concept hein, ce que j'ai fait là. Voilà, boum. Ah, c'est juste histoire qu'on puisse jouer ensemble après, voilà, qu'on puisse en refaire une. Oh, je vais péter un truc. En fait, tu peux avancer là-dessus. Ah, mais go. Voilà, comme ça on se fait une prédiction. Votez vite. Non, on se vote la prochaine. Ah non, moi j'avais prévu qu'on allait retag. Pour le coup, là, j'avais prévu qu'on allait retag, donc là, on l'annule.
On annule, on annule. Je voulais juste relancer, moi. On annule. Là, on fait une game. Est-ce que je la win, oui ou non? Et après, on teste la partie privée. Mais ça va être un enfer. Comment je pourrais choisir que des subs? Je vois pas comment. Parce que je vais pas ajouter 40 personnes. Je vais vous envoyer un mail, les subs. Voilà, le code de la game. Si jamais vous voulez venir. Rembourser. Ah non, 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 on annule, on annule. Ouais, c'est ça, tu tagues un truc global, quoi. Discord. C'est vrai qu'on pourrait. On a un chan sub-only sur Discord. Ça pourrait être une option, tout à fait. Modo qui donne le code au sub. Ah ouais, mais c'est... Il y a plein de bons retours, non pas sur la vidéo de Popcorn, ça fait plaisir. C'est zizi, hein. C'est sympa. Oh, je dois mettre une pub là depuis tout à l'heure. Putain, mais il y a mon petit chat. Oh, je l'aime trop. Mon petit animal. Sinon, go live en sub-only. Ça, c'est fou quand même. Il y a déjà des gens qui l'ont fait, le sub-only, le live. Parce qu'ils avaient mis cette option quand même. PA Popcorn reprend quand? Point d'exclamation Popcorn, qui envoie sur le Twitter. Est-ce qu'on l'a? J'aime bien faire ces calls. Veuillez suivre le Twitter de l'émission. Ah, on l'a pas directement, mais... Mais quasiment, quoi. Nono le fait une fois par semaine. Sérieux? Ou il y a que les subs qui peuvent voir le live? Ouf. Je t'en prie, sabote cette game. Non, c'est bon. Je... Oh, j'allais voir ma gueule. Oh là là, mais qu'est-ce que je... Je suis pas doué aujourd'hui. Le gaming et moi aujourd'hui, c'est non. C'est non. Live sub only, c'est toujours mieux que les live prime. Bah non, je pense que t'as plus de gens qui ont un abonnement prime sur Twitch que de gens qui... Enfin, tout dépend si t'es vraiment... qui sont sub à ta chaîne. Tu vois, là, il y a plein de gens qui ont des primes, qui ne mettent pas forcément chez moi, mais qui ont l'abonnement prime. Télène Baptiste, c'est pas le 13e mois, Kerry aussi avec 56 mois. Mais Nono, c'est différent, il live H24 et le sub only, c'est pour quand il fait du coaching. Ouais, non, mais c'est clair. Non, bah après, tu vois, c'est aussi justement trouver... Enfin, c'est ça, quoi. Si tu fais, j'ai une connerie, 70 heures de live par semaine, enfin, même 50-60 heures de live par semaine, si tu fais 2 heures, justement, un peu, hein, avec un concept spécial ou autre. Surtout délire de coaching, quoi. Pour des petits streamers, je trouve pas ça scandaleux, tu vois, parce que ça leur permet aussi d'avoir des vrais intérêts. Je crois que là, Nono, tu vois, il est passé à 1200 subs, il était trop content et tout, tu vois. Donc, c'est réussir à trouver aussi un truc qui te permet de pouvoir vivre, quoi, tu vois. Donc c'est aussi ce bail-là, quoi. Il peut y avoir des subs qui n'ont pas de Prime. Ouais, ouais, non, ça, je comprends, mais c'est... Mais bon, du coup, c'est normal qu'ils puissent pas avoir accès au catalogue Prime Vidéo, quoi. Ça privatise. Bon, c'est surtout mon très bon pote, Nono, donc... Bonjour Mario Kart, c'est chez Pompon. C'est-à-dire... C'est-à-dire... Domi, tu mets quel parfum? Moi, je suis corpo. Moi, je mets Diesel... Putain, comment il s'appelle? J'allais dire Rage of the Streets, mais c'est pas ça. Street quelque chose. La rue avant tout. Non, quand on était sponsor, mais on avait envoyé, j'aime bien, depuis je le mets. Hein. Only the Brave, ouais, c'est ça, mais... Version Street. Tu vois. Non, non, mais ça fait quelques temps qu'on bosse plus avec eux, en plus, mais... Oh. Mais j'aimais bien le parfum. Avant, je mettais bois d'argent, mais en fait, bois d'argent, c'est tellement repris de partout, il y a tellement de faux, de machin que... Mais j'avoue que je me donne moins sur le parfum. Enfin, tu vois, je suis moins en recherche d'un parfum ou... En même temps, Covid a pas aidé dans ce genre de truc, tu vois. Même si... Putain, pas de le faire pour les autres, tu vois. Mais c'est vrai que j'étais pas non plus en mode à tout prix, putain, qu'est-ce que je vais sentir? Aquadillo. Je mettais ça plus petit. Enfin, plus petit. À 8 ans, ouais, c'était mon parfum. Car t'es en couple, ouais, non, ça joue peut-être aussi. J'avoue que quand t'es en couple, ce genre de truc, tu... T'es moins...
T'es moins déter parfois. Diesel, c'est pas incroyable comme parfum. Après, c'est subjectif évidemment. J'aime bien Sauvage de Dior ou Blood Chanel. Ah, moi j'aime bien, gros. Ah, celui-là. Pour le coup, il y en a chez Diesel que j'aime pas trop. Mais celui que je mets, bah, sinon je le mettrais pas, mais j'aime bien. Allure Homme Sport Extrême. Ah, j'avais senti à peu près. C'était pas mal. Après, t'en as plein. Mais en fait, c'est difficile de se dire, ok, quel parfum va vraiment te ressembler, quoi. Tu vois. Ça qui est brut. Comment s'appelle l'autre, là? Ouais, il y a Scorpio, mais. Mais bon, le mal. J'ai un parfum été, un hiver perso. Non, mais je pense qu'il faut. Boss par Hugo Boss, mon parfum favori depuis 15 ans. Ouais, moi j'aimais bien changer un moment, mais là j'avoue que ça fait peut-être 2 ans que j'ai le même. Hein. Bois d'argent, ça sentait bon. Hein. Mais bois d'argent, typiquement, ça sentait plus le mal que je suis un mal, tu vois. À un moment, tu sais, ça faisait peut-être plus un peu homme sur la trentaine, et je le mettais vers 20, il y a peut-être 5-6 ans, quoi. J'avais pas encore de barbe, donc on essayait. Focus PA. Non mais attends, là, je suis full focus, mec. On dirait pas, mais... Attends. Oh. Pourtant, bois d'argent, c'est mix, gros. Non mais je vais le remettre. Après, c'est cher, hein. Dior, tu payes cher de ouf, hein. J'ai pas de noir, du coup, je vois pas utiliser du parfum 100%. 100% pour les gens pensent que je pue. Non, déjà, déo, c'est la base, tu vois. Si déjà, tu mets du déo... Je suis un forceur, je l'ai déjà fait une fois, ça a pas marché, je fais quoi? Je refais la même. On appelle ça un... Oh là 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 là. Allez, tout va bien. Tout va bien. Ouais, je me suis dit que... Tout va bien. Pleine possession des moyens. Là, je pense qu'il faut, voilà, il faut attendre. Voilà, magnifique. 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 Hop, magnifique. Hop, magnifique. Oh, incroyable! Il y a des petites collisions, rien de grave. Parfait. Parfait. Hop, parfait. Ça finit un jour la map ou pas? Juste qu'on sache. J'ai envie de péter un truc. Je me retiens. Je suis pas loin. Mais gros! Il s'est arrêté, ce bâtard! Tout va bien. Et voilà. Troisième. Y a pas. Toski, merci pour le sub. Zlatan Rom, 9e mois, merci beaucoup. Ah, oh, la map est loin. Elle est longue, pardon. Ah, la vache. Non, mais troisième, quand même. Troisième, boum. Hop, ça vous balance là une minute de tout à l'heure. Allez, hop. Eh oui! Eh oui, on n'avait pas oublié que Logan, hein. Le sang de la veine, ça cherche un verre d'eau. Hop là, il est long celui-là, ouais de ouf. Mais c'est pas mal la map quand même. Hein. Je réfléchissais, mais je jouerais peut-être à Mario Kart lundi, parce qu'il va falloir que je branche tout et tout. Et comme ça fait longtemps, j'aurais peut-être des soucis de son, j'ai la flemme d'avoir des bugs. Je voulais juste jouer vite fait. Et en même temps, je pensais que le top 1 viendrait un peu plus vite que ce qu'on est en train de faire. Donc, parce que lundi, là, je suis en train d'organiser une petite session lundi soir de Mario Kart. Je vois qu'il y a du étoile, du ponce, du guild déjà chaud. Donc... Ça va être sympa, lundi soirée Mario Kart avec le Xav. Ouais, c'est ça, on va se faire une petite... petite soirée. Jiboule. Merci Jiboule60 pour ces 7 mois. Demain le tournoi. Non, je pense pas. Blue Sky, merci pour le 10e mois. Déjà, on va chercher une première win. Deux pubs abusés. Ah bah là, c'était obligé, les gars. Il a... Oh là là, non. 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 Non, pas cette map. Mais il n'y a qu'une finale de bien, c'est l'Hexagone. C'est fatigant. Je suis fatigué.
un mauvais choix déjà. C'est dommage quand même ce truc de finale un peu nul. C'est déjà la fin là ? Ah bah oui. Voilà, à chier, à chier, ni plus ni moins, de la grosse merde, et on se le tape en boucle, en boucle, en boucle. C'est de la merde, voilà. On peut plus de ce truc. À la limite, la course, t'as un peu le seum, mais c'est la vie. Là, gros, il y en a, ils ont fait la course en tête, ils se sont pris la mauvaise porte, les mecs ont fini, tu sais, c'est... On est Drax, merci pour le... Disais-moi, pourquoi tu l'aimes pas du tout ? Parce que c'est archi random. C'est archi random, c'est genre... Je pense que tu pouvais faire mieux que ce que j'ai fait. Mais c'est nul. Cette map, on se la tape tout le temps. Regardez les replays car full occupé en semaine, mais tellement meilleur en live. Oh le Amine. Chasma, merci aussi pour le troisième mois. En fait, t'as une grosse RNG, donc du coup... Du coup, ça régale pas, quoi. Ça régale pas. On dit pas c'est nul, mais je l'aime pas. C'est vrai. Je trouve que c'est à chier. Ça remonte quand on est top 1. Mais le dernier stream en plus on était bon. Non là j'avoue qu'on est un peu en galère. Légèrement. Légèrement. Voilà. Non mais en fait Hexagone, je pense que je gagne 70% des, oui, des games. Je viens d'arriver sur le stream, j'entends c'est de la merde. On est en situation compliquée. Voilà, on est en situation de peu de victoires. Peu de niveau aujourd'hui aussi. Il faut se remettre en question, tu vois, mais. Non mais c'est vrai que quand c'est trop aléatoire, c'est pas hyper kiffant, tu vois. C'est comme le truc de glace, là. Gogori ! Merci beaucoup, Loni ! 12 mois. Merci, frérot. Je mène la danse, hein. Je me suis fait alpaguer. Oh là là. Il y a du niveau avec le mec de... Oh bah, putain. Avec le mec devant, j'allais dire. C'est ça qui te rajoute 20 000 trucs, hein. Bien compris, de toute façon. C'est pour éliminer les plus forts. Ça bouge. Pardon. Pourquoi je saute? C'est vrai qu'il y a toujours ce souci. Oh là là. Faut pas que je saute. Enfin, faut pas que je plonge. Oh, l'autre, le pauvre. Bon, bien quand même, bien quand même. On a misé sur la win. Non, mais je donne. T'as regardé la vidéo du roi des rats? Non, mais j'ai commencé, il faut que je la regarde. Bon, j'ai vu, t'as Simon Pioche, là, il a sorti une vidéo justement sur. Alors, de base, qui amène les gens. J'ai pas regardé non plus. Mais qui amène les gens. Comment ça s'appelle? Sur. C'est genre les streamers qui profitent, quoi. En gros, ils parlent des streamers de Malte, enfin, qui vont à Malte, mais le sujet est plus, je crois, sur l'optimisation fiscale, l'évasion fiscale, etc. Tu vois, ce genre de sujet. Mais. C'est un party game, le but n'est pas de trahir, de prendre du plaisir. Nous, les gamers, on n'est pas trop la cible, je pense. C'est vrai que nous, on est des hardcore gamers. Mais. L'exil fiscal à Malte, ouais, c'est ça. Mais le truc de Roi des Rats, je suis curieux justement par rapport au casino, etc., de savoir ce que... J'ai pas regardé Simon Pioche parce que je sais déjà un peu tout. C'est intéressant pour les gens qui connaissent pas du tout, quoi. Clickbait, on peut le dire. Non, parce qu'il dit un peu les termes, tu vois. Après, bon, il va pas commencer à rentrer sur les comptes de Locklear ou des mecs qui sont à Malte pour dire « Alors là, vous voyez le truc et tout. » Mais il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas, tu vois. Donc ça, c'est intéressant. Et à côté, non, le truc du Roi des Rats, c'est pour parler justement des streamers casino, etc., et du business derrière ça. Donc, l'air d'avoir pas mal enquêté avec des témoignages aussi de gens qui sont tombés dans l'addiction. Donc, non, je suis curieux de voir justement ce qu'on y apprend, quoi. Je comprends que Twitch ne fasse rien, c'est ouf. C'est pas leur souci. Qu'est-ce que tu veux qu'ils s'en foutent, Twitch? Et entre guillemets, c'est pas leurs affaires, tu vois, dans l'idée. Il explique plus que les streamers à Malte et c'est ultra intéressant. Ouais, c'est ça. Ça aurait été juste une vidéo pour dire bah, il y a lui, ils sont à Malte et voilà ce qui se passe. Là, c'est un peu plus pour tenir au courant les gens. Pour... Oh, je suis incroyable, les gars, poussez-vous! Imagine, t'as pas misé sur une win cette game. Imagine. Oh
L'autre, il a tapé un truc, gros, il a fini premier. Il a fait une diagonale. C'est Simon Puech, si tu veux, sur les streamers à Malte. Et c'est le roi des rats sur l'addiction, enfin l'addiction au casino et les streamers qui font du casino. Twitch, ils ont interdit les liens de parrainage sur les streams casino. Ah, je pensais que tu parlais par rapport à Malte. Pardon. Excusez-moi, je répondais par rapport à Malte, moi. Excuse-moi, je parlais pas par rapport au casino. Mais ouais, du coup, t'as plus le lien d'affiliation, donc s'y intéresse un peu. Appel à la discrimination, bravo. Oula. Emploie des mots que tu gères, hein, parce qu'il faut... ça, moi aussi, j'entends de temps en temps, il n'y a pas de souci. Hein, on est tous là aussi pour tester des choses. Hein, mais c'est bien aussi de d'être en contrôle, quoi. Bon, ça c'est toujours pas la finale donc. Même truc que tout à l'heure, au dernier moment tu peux te faire fumer quoi. J'aime que en plus. Voilà, il y a des nouveaux trucs. C'est peut-être pas mal pour Dodge. Ça c'est moi ça. Monte un peu. Ah c'est pas si mal. On va apprendre les tricks et ensuite on verra ce qu'on en fait. Ah tu peux faire tout ça quoi. C'est propre hein. Oh la flemme. Non mais là, il y a trop de gens, faut jamais aller chez eux là. 40 secondes. Putain la flemme. Oh le dodge. C'est nul. Lui, je l'ai scopé depuis longtemps, lui. Hein. 15 secondes. Terminé là. Oh non mais vas-y ça rend malade. Ça rend malade, j'étais bien, je me suis dit est-ce que le truc a affiché. Oh vas-y c'est trop. Un peu plus. Le truc affiche 0. Oh non mais c'est... J'étais bien en plus, j'avais trouvé un bel endroit. Ça retag. Oh, quelle erreur. Xloy, 23 mois, merci beaucoup. Quelle erreur. Partie privée. Non mais on en fera une, mais faut que je gagne une fois au moins. Si je gagne pas une fois... C'est dur quand même, mais là, ça régale. Ah non, mais... Le 1, une seconde à 0 qui fait 2 secondes, c'est nimp. Ah non, là, ça... Aïe, aïe, aïe. Ça a affiché 0 pendant 6 secondes. Moi, j'étais en mode, ok, c'est tranquille, je bouge juste s'ils vont arriver. Bon, allez, vas-y, refaites un bet, là. Refaites un bet. On veut aller en chercher une. Toujours les mêmes trucs, hein. Les Live Fall Guys, tu peux en regarder 3-4, c'est les mêmes, hein. Ah, je parlais du bet, pas de bashing ici. Ah pardon, excuse-moi monsieur, désolé. Excuse-moi, parfois on a des gens qui à Adam qui sont un peu spéciaux et tout, donc désolé. My bad total. Ah c'est difficile hein, parfois de savoir sur quel sujet ça parle et tout. Que... C'est complexe quoi, c'est complexe. Hein. Voilà. Ça enchaîne. Ah ouais, non mais ça enchaîne, hein, mais là c'est du farm. Hein. Jenk, merci pour le prime. Non mais là c'est juste aller chercher une petite couronne. C'est pas, tu vois, c'est pas non plus... J'ai 25 heures de jeu et 0 top 1. Tu joues en groupe? En groupe, c'est peut-être un peu plus facile, quand même. Tu vois, t'as peut-être plus de... Plus de chance. Tu vois, c'est peut-être... Je joue depuis le day 1, jamais de top 1. Ah ouais, Manua? Moi, je t'imaginais assez fort au jeu. Alors qu'en fait, t'es naze, quoi. Eh ben... Non, mais comme quoi... Eh, on se connaît pas tous, les viewers. Hein. C'est faux, MDR. Oh, putain. Oh non, ça, je vais péter un truc.
ça va pas réussir. Ça... Oh là là, l'autre il me. J'arrive, c'est fermé. Oh, c'est. Non, ça va fermer. Voilà, parfait. Ok, c'est bon. 41, ça va être un peu chaud quand même. Ok, sauf si on passe tout bien là. Avancez, les cons. Ça passe, ça passe, ça passe. Ça passe, tout va bien. Rah, sub tier 2, 65 mois, merci beaucoup. Le ref, Tomé Arcas aussi, merci. Pas dès le début, non. Eh, on n'a jamais pris un premier tour. Hein. On n'a jamais pris un premier tour, là, encore, donc... Donc ça se passe plutôt bien. On est en contrôle. Kushni aussi, 34 mois. Merci beaucoup. Ça win Kakorp. Mais Kakorp, ils vont pas perdre, en fait. Hein. Ils perdent jamais. Hein. Ce serait insane qu'ils fassent le back-to-back. Ah, ils ont lose. Ah bon. Ok, du coup... oh la vache. Pas tarder à bouger, moi. Je vais retourner dans mon canapé, je pense. Ça va être un meilleur samedi. Oh là... Et ça change rien au fait que c'est les groupes, donc ils peuvent faire back-to-back. Mais je pensais juste... j'ai allumé le stream et je voyais juste qu'ils avaient... Enfin, que c'était fini, je me suis dit ils ont win rapido, mais non. Ouais, mais les poules, c'est à aller-retour, c'est ça hein. Si tu fais des pronos sportifs, STP les partage pas. Putain, quand j'en faisais, c'était vraiment terrible. J'ai toujours tellement été nul au pronos, moi. Coco Mademoiselle, merci pour le quatrième mois. Hâte de la reprise de popcorn. Mardi, hein. Plus que 3 jours, maintenant. Ah oui, allez. Mais j'ai été retenu. Oi, oi, oi. Je l'ai pas eu. Hein. Je vais perdre. C'est déjà perdu. Il faut aller à un autre endroit. Aïe, 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 aïe. Allez. Il y a tellement de gens, gros. Je suis nul, en fait. Ça va trop vite, aussi, là. Le swap, là. C'est déjà fini, là. C'est ça, le souci, c'est qu'on se déplace pour un truc. J'ai envie d'attendre. C'est une erreur d'attendre. J'attends quand même. Je m'en fous. Je m'en fous, j'attends. Putain, c'est là-bas. J'ai attendu au mauvais endroit. Le mec incarne la lose. Tout va bien. Tout va bien. Naolan, 25 mois, merci beaucoup. Tags, tranquille. Avec le sub, merci beaucoup. Il fallait attendre, il fallait attendre. C'était une bonne strat. Tout va bien. Un petit doute. Je suis pas là pour vous le cacher, il y a eu un petit doute à un moment. Ça nous arrive tous. Il a fait un top 1 en 2 heures. Toujours pas, mais bon. T'as joué à Grand Dead avec Zary au final? Non, mais je pense que ça serait une petite aventure... Enfin, pas ce lundi, mais peut-être lundi d'après, là. Petit lundi des copains. Ça peut être bien. Dernière scène que tu as regardé. Clickbait, mais j'ai pas regardé vraiment. Le truc 5 millions de vues, là. Bon, t'as gagné, t'es content. De ouf. C'est cool, Grand Dead. Ça a l'air, ouais, ça a l'air pas mal. Non, non, sinon, le parrain d'Harlem. De Canal, qui était vraiment sympa. C'est la finale, non, c'est pas la finale, là. Ça, c'est jamais une finale. C'est quand la vie, je reviens des vacances. Bah, en fait, je sais pas trop. Je sais pas trop. Bah, déjà, lundi, je pense qu'il sera peut-être... Il sera peut-être là... Il sera peut-être là, justement, pour la petite session Mario Kart du soir, là. Mercredi, bah... il sera forcément là. Donc, non, je pense ce lundi, là. Ensuite, il va rejouer. Tout dépend de si c'est prévu un petit week-end... Non, pardon, excusez-moi, je n'y arrive pas en fait.
J'y arrive pas. Le bet, on fait un... Non, je n'y arrive pas. Je sais... C'est terrible, là. Je suis allé dedans, quoi. Bon. On fait... Les trois prochaines games, un top 1. J'irai pas au-delà de trois games. Si j'ai pas de top 1, j'irai peut-être. David, merci pour les 12 mois. Ce jeu te fait sentir nul, en plus. Là, c'est quand même... Mais je suis pas dedans. On sent que je suis pas concentré, tu vois. Je parle d'autre chose. En même temps, bon, on parlait 3 heures de Fall Guys. On se fait un peu chier aussi, donc... Non, mais le prochain bet, c'est dans les 3 prochaines games. Est-ce qu'il y a top 1, tu vois? PA, il me reste plus que 50 coins. Je pense que c'est le moment d'all-in, le bot, là. Je vais pas passer direct à MK. Je sais pas si je vais jouer à MK aujourd'hui, au final. Ortic, merci pour... Ortic, c'est bien ça, pour le sub offert. Parce qu'en fait, j'ai pas la manette, là. Il faut que je rebranche tout mon setup, justement, avec la Switch et tout. Donc peut-être on le fera lundi, tranquille, tu vois. Je pensais vraiment jouer une demi-heure à Fall Guys, de base. Voilà. Oh, mais c'est un tilt. Léger. Léger, léger. Payé. Mes modos se sont barrés, putain. Ils en peuvent plus de moi. Je vais vous payer, moi. Tenez. Je vous donne l'argent. Hop. Voilà. Hop là. Prenez les sous. Prenez tout. Vous méritez. Bon. Mais en fait, ils ont rajouté des petits trucs qui te complexifient. Go regarder la vidéo du roi des rats ensemble, au pire, non? Oh, c'est pas con. Oh, j'avoue que j'allais le faire en solo, mais je peux être chaud de mater ça avec vous après, si vous voulez. On peut se faire ça juste après, ouais. En fait, tu peux juste sauter, y a pas besoin de... Enfin, faut être suffisamment haut, quand même. Voilà, tu peux faire ça si t'es suffisamment haut. Vu ! Oh là là, mais on est quand même bien. Les amis, je vous le dis, on est bien. Oh, yo, yo, yo. Non, je fais quand même 5ème, ça va. Honnêtement, c'est pas si dégueu ce que je propose. ADR Give, 34 mois, Elzen, 24 mois, merci. 25 mois, pardon, merci beaucoup. Merci la MIF. Plus de modos pour recruter. Non, non, je les aime bien mes modos, on avait recruté des nouveaux modos, je trouve que ça se passait super, ça se passe super bien dans l'ensemble. Voilà. J'ai dit que... Ah, mais du coup, là, c'était un mauvais bet, c'est ça? Win sur cette game. C'est pas grave. C'est que sur celle-là. Ils étaient pas là, on est samedi, y a pas de problème. Peut-être que du coup, si je gagne pas celle-là, ce qui m'étonnerait, on se la fera. Voilà. Voilà, Jas Del Toro, merci pour le prime. Du. 90% de non. Ah, les gens savent. Après, cote à 10? Ça prend pas la cote à 10, là? Avec tes 50 coins, tu passes à 500. Hein. Quand même, hein. Tard. C'est trop tard. Il joue à quelle heure, Gaël, là? Putain, c'est lourd. Ça fait vraiment plaisir pour lui, là. Là, c'est pas simple, hein, parce qu'il est au troisième tour de l'US Open. On a plus de Français. C'est le seul Français qui est encore qualifié, là, à l'US Open. Au troisième tour, c'est un peu difficile. Mais ça fait plaisir. Il joue contre Sinner. Sinner, c'est un crack, hein. À 20h05, ce soir. Sinner, c'est un petit crack, l'Italien. Il a fait deux fois 3-7-1... Quand Isner s'était serré, là, quand il avait perdu à Cincinnati. Ça va pas être simple, hein. Il joue bien sur dur, l'autre. Zuenos, merci pour le 5e mois. Il y a France-Ukraine ce soir aussi, c'est vrai, ça. Putain, j'avais zéro maté. J'avais zéro maté, comment ça s'appelle, France-Bosnie. C'est à 19h45, ok. Sinner frappe très fort à plat, ça va être dur. Ah ouais, ah, sur dur, c'est compliqué, putain. Putain. On dort ce genre de match de l'EDF. Bah, c'est les matchs de qualif, quoi. C'est les matchs de qualif. Bah, Mardi Pro, t'as contre la Finlande, tu vois, c'est vrai que c'est pas les matchs. Surtout Mardi Pro, quoi. Je sais pas si vraiment c'est le match à voir, quoi. Surtout bon. Enfin bref, je dis ça, moi je dis rien, vous savez.
qui suis-je? On ronfle fort sur les trêves internationales de foot. Bah, faut kiffer, quoi. Mais bon, c'est vrai que les qualifs, surtout pour un pays comme nous, bon, ça se passe toujours bien. Puis on est deuxième, tu vois. Mais dans l'ensemble, c'est quand même relativement OK. Pas un enjeu de malade. C'est plus voir comment évolue l'équipe, voir les nouvelles recrues. Enfin, j'ai maté Kamavinga avec les espoirs, là. Je trouve qu'il a une vraiment bonne mentalité, le mec. J'ai revu une interview, là, rapide de lui, etc. Kamavinga, même s'il avait fait une deuxième partie de saison l'an dernier un peu compliquée, tu vois. Je trouve que c'est un gars vraiment simple, tu vois. C'est vraiment le petit crack de ouf. Mais le mec est simple, tu sens qu'il s'amuse, tu sens que, je sais pas, je... J'espère que ça va bien se passer au Real pour lui. Et ouais, non, clairement, c'est tout de même le coach Bizot. Tout de même. Pourquoi je regarde le chat, là? 4 éliminés, c'est fini. Je suis en détente alors que je suis à chier. Je barre les pseudos. Le problème, c'est son changement d'agent. Ça a été la merde? Entre les agents et compagnie, entre ceux qui prennent leur famille et ça part en couille un coup sur deux. Et le reste, c'est quand même... Oh, yo, on me sent plus serein, je ferme ma gueule. Et en tout cas, ouais, j'ai vu le... Entre guillemets, le focus sur son match. Oh, les ouvertures, là, les petites transversales et tout, il régale. Oh, allez, c'était chaud. Mais honnêtement, ouais, il met vraiment bien. T'as vu la possibilité de Coupe du Monde d'Europe tous les deux ans? J'ai vu ça, je trouve ça naze. D'accord, c'est pour le 23e mois. Mais je pense que c'est lié à la FIFA, etc. Qui, bah justement, leur problématique, comme disaient les clubs, où il faut proposer plus de contenu et tout. T'as pas envie d'avoir une Coupe du Monde tous les deux ans et l'autre année, un euro, tu vois, ou je sais pas comment ils veulent réparer, enfin, séparer ça, mais... C'est bien aussi l'attente, c'est ce qui crée la hype, tu vois. Si une année sur deux, t'as euro, monde, euro, monde, euro, monde, tu t'en sors plus, quoi. Tu vois, enfin, je sais pas, moi, je trouve que c'est ça aussi qui te crée la superbe. Le moment où t'es éliminé, t'attends 4 ans, quoi, tu vois. Donc, ouais, je sais pas. Plus de contenu, je comprends déjà pas comment les footiques, ça va tout suivre. Non, mais c'est l'enfer, déjà, si tu veux suivre... vraiment le foot, quoi. Mais je sais pas, ouais, tu vois, je trouve que ça gâche un peu, justement, de sa superbe et du prestige aussi, quoi. T'as beaucoup plus de chances d'avoir une Coupe du Monde si elle est tous les deux ans, quoi. Mais je sais pas, ouais, j'espère pas. J'espère pas que ça sera adopté, je sais pas où ça en est exactement, mais à long terme, ouais, c'est rare d'avoir vraiment des hypes, tu vois, et... Tout va bien. Ok. C'est un peu chaud, c'est pour ça que je préfère arrêter de parler, je devais juste stabiliser. Tous les 4 ans, ça crée la hype. Ouais, tout à fait d'accord avec ça. C'est vraiment que de la chatte, hein. C'est-à-dire que... Lâche-moi, gros, aussi, putain, trouve un taf, hein. C'est bon, là, le mec. Fernal, le gars. Ah, il te met 3 charges de suite. Ah, c'est bon, si c'est bon, 3 secondes, je suis une merde, je suis une grosse merde. Putain, je suis à chier, voilà, c'est une journée. Manua qui sub, ça fait plaisir quand même. Ah non, bon allez, vas-y, 3 games, les 3 dernières games là. Les 3 dernières games, un des pires joueurs eu. Mais c'est l'autre là, en début de live, il a dit que j'étais le meilleur, je sais pas quoi, il s'est pris pour un analyste, depuis je suis nul. Moi, faut pas trop me saucer, hein, sinon... Bon allez, 3, mais je devais être trop près des mecs. Je devais être trop près. Mais ouais, on va faire... on va faire ça. 3 games. 3 games, il faut une win. Encore 17 games, mais pas une de plus. Ensuite, game sub. Ouais, Tony, mais... quoi qu'il arrive, ça pourra pas être une game sub, parce qu'en fait, le jeu ne le permet pas, donc... Mais bon. Je pensais à trouver une meuf que tu as lancée sur les JO de... avec Zav. Non, le pauvre. Il était quand même revenu en armure. Il est con. Il était bougon, hein, le à Pico Park. Hein. Lundi, à Pico Park, il était un peu bougon, le Xav. Hein. Ah ouais, là, moi, je lui ai dit. Hein. Aigle d'argent, merci pour le 3e mois. J'ai fait bougon man. Désolé. Oh non. Oh non, non, non. Je lui ai dit, alors, on est bougon, hein, on veut pas jouer. Xari bougon. Non, Xav bougon. La KC vient de perdre son premier match, donne-nous un peu de bonheur. Frérot, faut savoir qu'ici, on n'a absolument aucun pas de bonheur. Voilà. C'est à peu près ça, tu vois, pour l'instant, le live, là. Tu peux faire des parties privées maintenant. Oui, non, mais le moment, on en fera peut-être une... Mais c'est vrai que l'intérêt n'est peut-être pas fou.
On se refait un live shopping. Ouais, j'avais répondu tout à l'heure. Aucun pas de bonheur. Voilà. Il n'y a plus rien dans ce live. Il n'y a rien. Je sais pas pourquoi. Je te dis, j'ai fait un petit tournoi de poker. En vrai, tout à l'heure, là, ce matin, je me suis réveillé. Un 10 balles. J'ai éliminé 6 ou 7 mecs. J'ai fini 23ème. J'ai gagné 8. Oh, voilà. 8 plus les éliminations. J'ai pris 30, tu vois. Je me suis dit, vas-y, c'est une journée où tu sais quoi. On va se laver. Pour une fois, on y va. On se lave. Boum, boum. On lance le live. Et rien, quoi. Oh, oh, oh. Non, mais tu vois, là, tu te dis que le gars peut quand même jouer, quoi, quand il se passe ça. Mais... Poussez-vous! Ah, là, c'est propre, ce qu'on fait, tu vois. Tu te dis que le mec fait quand même partie du haut du panier. Oh, je tente. Ça a l'air sympa. C'est pas sympa, c'est incroyable. Voilà, je suis le plouc parmi les bons. It's me! Ah bah j'ai moins... C'est marrant ça, j'ai moins sauté que la game d'avant là. Pourquoi? Bon bah les couilles. Hein. Soit je finis au milieu, soit je finis pas. Hein. J'en ai plus rien à foutre là. Hein. Voilà, tout se passe bien finalement. Le choker vraiment. Monsieur. McPain, merci pour le sub, bienvenue. C'est bon, ça. Ça prend. Ça boit un peu d'eau, ça hydrate. Je suis le plouc parmi les bons. Je reconnais, c'est une super bio Twitter. Ouais, je me disais qu'à un moment, il faudrait que je change de bio Twitter. Que j'ai déjà depuis à peu près un an. Qui est tout simplement jamais été doué pour les bio. Salut. Tu sais que déjà, tu t'attends à rien en suivant ce mec. Donc... Tu trembles, père. Je suis... j'ai pas mal de stress, ouais. Arzouk, merci pour le 23e mois. Ça fait même plus d'un an, peut-être. J'avoue que je sais pas. Photo de profil Twitch. Non, mais lundi, on change plein de trucs. Hein. Lundi, on met un petit coup de neuf, tu vois, à la chaîne, aux différents comptes Twitter et tout. Donc, on pimpe. Ça pimpe tranquillement. Aïe, aïe, aïe. Oh, la licorne. Ah, la licorne n'a pas passé la première plateforme. Qu'est-ce qui se passe, la licorne? Ah, mais là, c'est un souci moteur, là. Ah, presque. Ah, non. Non, mais là, c'est fait exprès, parce que c'est limite pas facile de réussir à tomber dans le trou à chaque fois, quand même. Nixto, merci pour le 29e mois. Voilà, c'est un petit. Ah, c'est peut-être un enfant. Hein. Mais je pense que les enfants, ils sont très très forts au jeu maintenant. Tu vois ce que je veux dire? Genre, les enfants, ils captent très vite. Tu vois, genre, tu mets un téléphone dans les mains d'un gosse, il comprend très vite qu'il faut le déverrouiller, comment ça fonctionne et tout, tu vois. Donc, il joue au volant. Alors comme c'est un truc qui est peut-être mis de plus en plus petit et dans les mains et tout, tu... T'as les réflexes, quoi. À 6 piges, ça reste des brels. Ah, disons que c'est normal à 6 piges de pas pouvoir être en compète. C'est peut-être pas plus mal non plus, mais... Hein, c'est peut-être le daron qui a pris au petit et le petit coach. Sur mobile, trop fort, les gars. Ah ouais, non, mais c'est... Après, t'apprends plus vite, quoi. C'est un truc du cerveau, ça. Enfin, j'imagine que oui, mais... Comme les langues, etc., qui fait que petit, t'assimiles beaucoup plus vite les choses. C'est quel phénomène? Ouais. Mon frère de 10 ans est master sur LOL. 10 ans, il est master sur LOL, jure. Genre en CM2? Il a le time, déjà. Plasticité du cerveau, plasticité cérébrale. Ça débosse. Ah d'accord, ça en fait tu leur envoies des fruits aux autres. Ah oh, c'est incroyable. Ah faut toujours passer du côté là où il y a le plus de gens. Regarde ça, je vais... Ouh. Se sent con.
con en fait. Un mur. Mur. Hop, voilà, ma vie, t'as chié. Hop là, une troisième. Hop là, quatrième. Tu peux pas te relever en fait, donc... Hop là, par contre, là, tout de suite, c'est autre chose. Et je le prends. J'en teste un. Ok. Allez, on va à gauche. Vends-le, ton petit frère, il va rapporter de l'oseille. Vends-le. Petit contrat, comme au foot. Déniché. La K-Corp Academy. Ça signe des masters à 10 ans. Mais il y en a qui y arrivent ici. Ça a l'air d'être compliqué quand même de réussir. Parce que t'es jamais vraiment envoyé, quoi. Trop d'écran pour les enfants, c'est des problèmes de développement cognitif. Ah non, mais de fou. Non, mais de fou, il faut... Je pense que tu peux pas non plus ne pas donner d'écran maintenant parce qu'ils sont trop attirés. Ou alors toi-même, tu dois te les enlever, quoi. Ça marche jamais ici, en fait. Mais on va... Non, non, dégage. On va finir quand même. Pika, merci pour le troisième mois. Si on va au milieu, c'est possible. Tu fais un de chaque côté à chaque étape. Ah, ok, ouais, tu jump. Faut pas croire ça, master, 10 ans, impossible, tellement de mécaniques à apprendre, etc. Bon, en vrai, ça existe, hein, parfois, les petits... Bon, j'en sais rien, je pense que ça peut, moi. Tu vois, absolument pas un de chaque côté. Au milieu, faut que le truc t'envoie. Ça peut marcher aussi, quoi. Oh, y'a du MV, y'a du Xav, c'est parfait. Clément Champoussin vient de gagner l'étape 20 de la Volta. Putain, je le connais même pas. C'est un G2R Citroën. C'est un petit français. En propre. Faut arrêter de donner les écrans à 3 ans, par contre. Ah bah oui. Idéalement, ouais. Clair que... Axel, merci pour le 23e mois. Champoussin, c'est un futur petit crack. Il a quel âge ? Très connu en vrai, non. Bah, il est jeune aussi, il débute, non ? 22 ? Godu fait 3, PA. Non, je crois qu'il fait 6 dans le Jura, là. C'est Madoise qui fait 3. 3 ans, justement, vous êtes con. Amenez-moi les clés barres. Oui, amenez-moi, s'il vous plaît. Oui, voilà. Poussez un peu à droite, les cons. J'ai mal parlé. Ouais, mais là, ça valait pas le coup de faire tout ça, quoi. Oui, monsieur. Du coup, il faut sauter quand même. Moi, ça, je maîtrise pas bien. Ah non, ouais, ils vont nous pousser. Magnifique. Mais en fait, tu passes juste en sautant là. Vas-y, j'accélère là. J'avais le truc. Y'a un mec qui a fini déjà. Ça a pas l'air si simple, hein. Oh là là, je les mouche. Je les mouche. Voilà ce que je fais. Merci Axel pour le 23e mois. Je crois en toi, STP. C'est bon. Tout s'est bien passé. On a eu un moment de difficulté. De doute. Un poco. Mais tout va bien. Tout va bien. T'as vu le dernier Marvel, Shang-Chi ? Celui qui a les anneaux, là ? Pfff, il envoie les anneaux. J'ai vu la pub, mais... C'est pas celui qui m'a le plus tenté, pour être honnête. Mais non. C'est sorti quand, là ? C'est sorti, là, déjà ? En vrai, il est magnifique. Ah ouais ? Marvel, enfin, c'est dead. Non, Marvel, c'est trop stylé, quand même. T'es rarement déçu en allant voir un Marvel, quand même, tu vois. Cette pub me rend fou. Ouais, j'ai beaucoup eu la pub sur Twitch, ça m'a un peu rendu fou aussi. Donc, ça, parfois, c'est difficile, parce que tu tapes tellement le truc que... Faut le voir, Best Marvel. Ah ouais, à ce point.
Le DC, non. Après, je suis pas un mec qui bute non plus au DC Marvel, etc. Mais... Non, avec le d'argent. Y'a que des pubs sur ça. Ouais, en fait, ça dépend de leur inventaire. C'est comme le truc avec Arnaud Ducruel, là. Ah, ça c'est... Oh, ça c'est le tête-tête. Tu lui mets... Alors là, c'est un 1v1. Chaque fois qu'il y a un bumper d'une couleur... Mais comment ça fonctionne? Normalement, c'est de la gravité. Ah putain, c'est avec ça. Oh, y'a choke. Bon. Vas-y, appuie dessus, gros. Putain, il me fume. Allez, un point. En fait, je le fais un peu galérer pour qu'il vienne. Ok, là, il va l'avoir. Oh, merde. Putain, je suis un chien, j'ai pas de chance. Ah, mais c'est que de son côté, gros! Je l'ai baisé. Comment il doit avoir le seum? Il a le seum de ouf, je pense. Je pense que le mec se relèvera pas, là. C'est-à-dire que... Ah, oh, il m'a fumé, putain. Ah là là, mais pourquoi j'en fais trop? En fait, je voulais lui laisser pour aller chercher ensuite, moi. Mais en haut, c'est plus de points. J'ai troll. Bah en fait, à moi, j'en ai laissé 3 ou 4. Putain, mais même ça, je gagne pas, quoi. Après, il doit être deg, le gars. Il a mangé un plus 2 à un moment, non? J'ai eu l'impression d'avoir appuyé plus que lui. Putain. Oh, mais là, c'est terrible, là. Je vais me coucher, moi. Gosse, il avait 6 ans. Il jouait en cachette. Il m'a explosé. C'est une bonne technique, mais t'as pas eu de chance. Ouais, il en a eu 4 d'affilée dans le même coin, donc j'étais en mode... Ouais, on a juste eu l'impression, quoi. Bon, c'est la DER. Je vous le dis, c'est la DER. En route. En route. Faut laisser la nouvelle génération de gamers. T'as vu le son de Inox sur la sirène, là? Non, j'ai pas vu. Heures, plus de 600 000 vues, ça me fume. Je vis la vie de rêve depuis 3 piges. Toujours pas de meuf depuis 3 piges. J'ai la big tige depuis 3 piges. Je crois que je suis en manque, est-ce que tu piges? Mexicaine, t'es un mot où je t'aime. J'ai la haine car je n'ai jamais qu'aime. Quand je te vois, j'ai l'ultra marre dans le caleçon. Faut qu'au lit, tu m'apprennes la leçon. T'es sous coco, moi sous coca. Beleco, ratio, t'es un ratio. Señorita, t'as la boca. Exotique comme fruit à la passion. Charismatique comme la tempête Grace. Des yeux ardents comme l'Hermano Ace. Je vise ton cœur comme un Kaino. Et les prochains, ça sera un nous. Il a fait un son, mais c'est un rapport au truc au Mexique, à leur voyage. Moi, chérie, j'ai pas besoin de toi. André, j'ai pas besoin de toi. Sirena, j'ai pas besoin de toi. Pas besoin de toi, ouais, pas besoin de toi. Moi, chérie, j'ai pas besoin de toi. Solo à la playa. T'inquiète, ouais, je peux le faire sans toi. Ah, ah, ah. Il l'a fait chanter. De la orilla a la profundidad. Lo ves en mis ojos, te tengo aquí tatuado, deseando como nunca lo pensé. Juntos en la playa no hay nada que hacer. El amor lo dice, te llevo, bebé. Juntos en la playa no hay nada que hacer. El
pas mal le clip. Moi je trouve ça sympa parce que c'est un délire de vacances, tu vois. Où il avait rencontré une meuf, une mexicaine, et du coup il en a fait un son. Je crois que c'est lui qui a fait la prod. Si je dis pas de bêtises. Beatmaker Wesley Knox. Moi je trouve ça pas mal, hein. Il a tout fait sur un délire, c'est géré en vrai. Ouais, c'est ça. C'est un délire qui allait un peu loin et c'est marrant, quoi. Ils en ont fait un clip et tout. Franchement, Inox, bon gars. Ouais, je le kiffe. C'est un vrai bon mec, Inox. Et il est vraiment marrant, je trouve. Hein. Ouais. Après, on est peut-être pas sur le son de l'année, mais c'est pas mal quand même, tu vois. C'est pas dégueu, quoi. T'es pas en mode. Il a fait son petit son, quoi. Tu vois, genre, c'est d'un point de vue musical, je trouve pas ça ridicule, tu vois. Et il kiffe bien, tu vois, je m'attends un peu les vlogs de Valouz et tout, il kiffe bien ce délire un peu de musique, d'essayer de faire ses prods et tout. Et le clip est sympa. Donc, mais tu vois, c'est lui, tu sais, il apprend par lui-même, tu sais, il en maintient, écoute ça et tout. Stop it, oh non, c'est dur. Zekiro, merci pour le 35e mois, je m'attendais à pire, c'est pas une purge. Non, c'est pas mal, hein, tu vois. Donc en plus, Domingo, c'est vraiment un mec qui s'y connaît sur la musique et le rythme. Non, mais moi, je donne mon avis à moi, je suis pas... On va faire écouter Zazie qui nous donnera un avis. Faut pas déconner, si t'es un pote, ne l'encourage pas. Ah mec, ça a changé. Hein. Je pense que de 1, Stark, merci pour le Prime. Il a pas besoin de mon encouragement, il a pas besoin de ton approbation. C'est ça là. Là, si tu veux, c'est ce qui est paradoxal. Hein. C'est ce qui est super particulier et qui rend fou beaucoup, et notamment les musiciens. Je peux les comprendre, la frustration que ça crée. Parce que là, c'était un délire de vacances. Et comme je te dis, là, le son, il a 3 heures et il a déjà... 600 000 vues affichées, donc je pense qu'en 4 heures, il fait 1 million de vues. Là où il y a 5-6 ans, alors le game a changé, mais 5 ans. C'était quand PNL, 1 million de vues en 24 heures là. Donc tu vois, et je trouve ça pas mal. En plus, à chaque fois qu'il fait des sons, c'est pas mal, tu vois. Il fait ses trucs... Il fait ses trucs à lui, dans son délire. Musique l'intéresse. Non, moi, je trouve ça bien. C'est quand la musique que tu vas faire? Oh non, moi ça va. Waouh. Faut avoir un intérêt pour ça, quoi. Oh frère. Mais du coup, là, tu peux te rattraper en bas. Tu as cette possibilité. Hop là. Hop là. Hop là, pied de shot. Tout va bien, super. Non, parce que les sons... Je participe au truc de Zera, quand même. Je sais pas trop où ça en est, mais... Ça, c'est un doute, mais... Mais non, je vous épargne. Trivortex, merci pour le 13e mois. Je suis là et je parle, je me rends compte que je suis plus sub. Et du coup, tu fais quoi? Boum! Il relâche son prime, merci frérot. C'est gentil. Du coup, t'aimes bien Michou? Ouais, en fait, c'est des mecs où... Moi, tu vois, l'humain joue quand même pas mal. Et donc, quand je vais rencontrer des gens, savoir si justement je les kiffe ou pas, et je trouve qu'ils proposent du contenu dans l'ensemble qui est plutôt pas prise de tête, tu vois. Où ils ont... Enfin, tu vois, c'est pas le n'importe quoi. Ils sont pas, tu sais, genre en fake prank, en mode caméra off et compagnie, là. Owen, merci pour le Prime. Après, tu vois, ils sont jeunes, donc forcément, ils ont des délires qui... Là, tu sens qu'ils ont un peu grandi déjà, tu vois. Il y a 2-3 ans, bon, ils faisaient des vidéos, c'est normal, les mecs avaient 17 ans, quoi, tu vois. Donc, ils allaient pas se faire des... Ils allaient pas, justement, se faire des tables rondes sur des sujets hyper deep, quoi. Donc ouais, non, je les trouve très... Les deux sont très cool, et tu vois, à chaque fois, de temps en temps, je leur propose des projets. Michou, il était venu à l'échapper, bah, qu'il a gagné, il était archi saucé, il était content, bon délire. Les deux sont venus, justement, au Big Nine. Pareil, les mecs étaient en mode, putain, c'est ouf, c'est trop stylé, merci. Enfin, tu vois, c'est... Moi, je mets pas mal d'importance aussi à comment les gens se comportent, tu vois. Et ils pourraient se comporter comme des petits princes, parce que les mecs sont bouillants et c'est les plus chauds de leur génération, tu vois. Et pourtant, non, c'est des gars bien, tu vois, donc... Juste, ils kiffent ce qu'ils font, en fait, tu vois. Ils kiffent ce qu'ils font, ils se prennent pas trop la tête, ils ont des envies, ils ont des... Là, Inox, il kiffe la musique, il a envie d'essayer de faire des instrus, bah, il les fait, il met en... Tu parles du motherfucking Big Nine? Ah, je te parle pas encore du fucking Sub 4! Oh non, oh là, vraiment, c'est bon. Après, je comprends pas son succès démesuré.
Ouais, mais c'est... C'est difficile d'expliquer un succès, tu vois. Mais l'autre, qu'elle mange merde. D'expliquer le pourquoi du comment, tu marches ou tu marches pas, tu vois. C'est Liandouille, merci pour le troisième mois. Genre, tu vois, moi par exemple, plein de gens étaient en mode, je comprends pas pourquoi il marche, tu vois. Un mec comme Gotaga, il marche parce qu'il était très fort, enfin, tu sais, il est très fort au jeu. Mais tu vois, c'est parfois, c'est, t'as pas spécialement besoin d'un truc à tout prix, c'est juste tu peux être cool ou tu peux, sans être le mec, tu vois, genre, hyper original. Hein. Parce que t'as deux jambes, bon, c'est vrai que ça paye. On parle de qui là, on écoutait le son d'Idox, qui est plutôt cool, du délire au Mexique. Mais je trouve que c'était à un moment, Michou Inox, tu disais ça, les gens étaient vraiment en mode, tu sais, c'était le démon, quoi, tu sais, ce qui faisait tout. Maintenant, c'est beaucoup plus accepté, quoi. Et c'est bien. Cartoxa, merci pour le 25e mois. Mais bon, du coup, voilà. J'irais, il a rincé à FIFA, pourtant il soulève l'équipe à la bouteille. Envie de tourner avec McFly et Carlito. Pas plus que ça. Moi, en fait, j'accepte peu de trucs. Je suis un peu chiant. Je refuse pas mal de choses. Parce que quand je sens que je vais pas être trop à l'aise, en fait, je préfère dire non plutôt que... Parce que du coup, j'ai une personnalité où j'ai du mal à entre guillemets, à faire semblant. Donc, assez fréquemment, en fait, je préfère... c'est de la merde, là, ce que je fais. Je préfère, en fait, ne pas faire des trucs plutôt que y aller et être pas du tout moi-même ou hyper gêné ou autre, quoi, tu vois. McFly Kato, il m'avait proposé, par exemple, de faire les histoires qui font peur, là. En forêt... Enfin, c'était pas en forêt, c'était leur deuxième... Je vais avoir 0 points là, juste qu'on se le dise. Ok, ça met bien déjà, ça fait 5. C'est vrai qu'au final ça... Et en fait j'ai refusé parce que... Bah, c'est pas trop ma... Oh la chatte. C'est pas trop ma cam... C'est pas trop ma cam, tu vois, les trucs qui font peur, et c'est pas trop mon truc et tout, donc... C'est quoi le projet le plus bizarre qu'on t'ait proposé? En vrai c'est pas forcément des projets bizarres, c'est juste des trucs où... Tu vois, à côté, il m'avait proposé, par exemple, de participer au truc LOL, c'est le 5-Ed, là, 4-Ed, je sais plus comment ils ont appelé ça. Mais du coup, c'était un truc spécial LOL, avec que des mecs hyper de la scène LOL, et il me disait que c'était des questions, genre, par rapport au jeu et tout, tu vois, LOL. J'ai kiffé LOL, mais je m'y connais plus trop, tu sais, j'étais en mode, bah... Je suis plus trop dans les délires, ni dans savoir, tu vois, donc... Mais ouais, souvent, je peux être un peu chiant à... Je peux être un peu chiant, parfois, à capter ou quoi, mais c'est pas contre les gens, c'est... Juste que soit je peux pas, par emploi du temps, quoi, soit... Soit je vais pas me sentir trop à l'aise. Tableauval, ouais, Tableauval, c'était cool, tu vois. On m'avait proposé, j'étais en mode, bah ouais, pour parler de Twitch avec Kamel et Magla, c'était bien, tu vois. En vrai, c'était auquel question. Ouais, au final, après coup, ça allait, tu vois. Mais quand ils m'avaient dit le truc, ils te disent, vas-y, t'es chaud pour faire un truc sur LOL, autour de questions liées à LOL, avec Marex, Robalas, Sardoche, Targamas. Tu sais, j'étais en mode, alors, est-ce que vraiment je suis le bon. est-ce que, ouais, c'est. Là, je sais pas. Je sais pas si. Je sais pas si je vais être la personne vraiment utile là-dedans, là, tu vois. Après, peu de joueurs ont un move à leur main. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai. Insomnie, conclusion. C'était cool avec Ben aussi. Mais tu vois, par exemple, ADF, il m'avait proposé il y a quelques temps. En fait, le truc, c'est qu'il y a pas mal de trucs aussi où c'est des interviews, tu vois. Enfin, pas interviews, mais tu parles beaucoup de toi. Et... En fait, c'est ce que j'avais dit à DFG quand il m'avait proposé justement le divan, là. J'étais en mode, en fait, j'ai déjà pas énormément de secrets. Parce que déjà, quand t'es streamer, quand tu passes du temps, ça fait 8 ans que je stream. Oh là 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 là, c'est le moment! Alors là, je ferme ma gueule. On reparle de ça après. Rappelez-moi le sujet. Vas-y, je donne tout là. Je donne tout et on en reparle après. Pff, allez. On n'a pas fait 2 heures de game pour rien. Là, tu vois que le mec est pas là pour rigoler. Il m'emmerde. Ok, faut faire des trous de ouf là. Tiens, chais. Toi. Mais t'es trop con toi, mais c'est pas possible. Non mais il y a un moment tu te dis quand même, tu vois. Genre, est-ce que ça vaut le coup quand t'es neuf
de grab un mec pour le faire tomber. Tiens, gros cher au mec là aussi. Moi je crois que non. C'est perdu. Ma chance, putain. J'avais juste à faire ça, là. Mais je me suis retrouvé avec des mecs qui, genre, ont go hyper deep. J'étais enfermé tout seul, MDR. Non, mais en fait, tu fais ton espace. Mais du coup, j'ai été puant, là. J'ai été puant, mais du coup, tu fais ton espace et ensuite, tu te dis que, bah, s'il y a un mec qui arrive et qui, du coup, lui, il panique et il te nique tout, bah, c'est mort, quoi. Donc, t'essayes de le niquer et j'ai fait ça à chaque étage. Oh, aïe, aïe, aïe. Faut arrêter de jouer. Bon, on regame quand même, mais bon. Non, du coup, DFG, il m'avait proposé justement de le faire il y a peut-être 6 mois, 1 an, et je lui avais dit que je préférerais attendre. Ça te tenterait, Zach, en roue libre? Je l'ai fait 2 fois même. Et en fait, ce que je lui ai dit, c'est que j'ai fait pas mal d'interviews où en fait, bah, Zach en roue libre, quelques-unes autres, insomnie, machin et tout. Et comme en fait, en stream, tu racontes quand même beaucoup de choses qui se passent, on passe quand même entre 20 et 35 heures par semaine ensemble, tu vois. Donc, si tu me suis depuis plusieurs années, il y a quand même pas mal de choses. Au bout d'un moment, les anecdotes, tu vois, t'as pas des anecdotes de tournage et tout, puisque les tournages, c'est du live, tout est en live quasiment. Donc j'avais essayé de ralentir un peu tout ce qui était, bah justement, je vais parler de moi, puisqu'au bout d'un moment, j'avais l'impression, en fait, de soit redire ce que j'avais déjà dit, soit pas avoir énormément de choses, tu vois, à apporter. Donc j'avais un peu arrêté, je lui avais dit, bah, je préfère limite qu'on attende un peu, on se fasse, tu vois, même moi, je donne pas spécialement de interview, entre guillemets, ou autre. Et que dans 2-3 ans, on en parle pour faire un vrai bon truc, tu vois. Pour accumuler des choses et tout, quoi. Ce qui est plus sympa. Ouais, il y avait eu Ponce la nuit aussi, ouais. Donc tu vois, donc c'est pas une interview comme les autres, le divan. Non, mais bien sûr, mais Zach en roue libre, c'est différent, mais c'est un peu la même chose quand même. Mais c'est pas, je suis d'accord que le divan, c'est pas la même chose, mais c'est dans l'optique de parler de soi, tu vois. C'est plus ça, quoi. C'était la deuxième, il en reste une, les gars. Non, je crois que c'était la troisième, hein, non. Je crois que c'était la troisième, c'est plus psychologique. Mais c'était juste, en fait, dans l'ensemble, c'était pas le divan spécialement, c'était plus un mood où, là, ça fait quelques temps où je suis moins en mode, je raconte ma vie, mon parcours. J'ai fait ça récemment dans un podcast, mais un truc un peu plus, comment ça s'appelle ? Un peu plus deep, on va dire, ça s'appelle Mediarama. Et c'est un podcast un peu plus B2B, entre gros guillemets, quoi. Tu vois, c'est pas le même public. T'inquiète pas, de toute façon, tu vas perdre. Merci pour le soutien, ma communauté. En même temps, là, j'ai perdu, là, je crois. Et non. Et non, il perd pas. Martin Fra, merci pour le 7e mois. Après la vidéo du roi des rats. Ah, je suis chaud. Après, on se mate la vidéo du roi des rats. Oh, vas-y. On se fait ça. Parfait. Parfait, parfait. Oh non, je l'ai déjà vu. Aïe, aïe, aïe. Jousse, merci pour le 6e mois. Bon, c'est la vraie dernière, là. De toute façon, j'arrive pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on est nul. Qui fait ton Ponce la nuit ? Ponce la nuit, c'était trop bien. Moi, je pense qu'il va en faire, Pompon, là. Maintenant qu'on peut justement quand même retourner au resto et tout. C'est cool cette émission. Tous ces petits trucs sur Twitch, c'est sympa. Hein. C'est sympa honnêtement. Bon, pastèque, raisin, pastèque, raisin. Raisin, pastèque. Problème de matos pour l'instant. Ah ouais ? Le live vient, elle, c'est chiant. A dit que le problème c'est le matos, le backpack Twitch. Qu'est-ce qu'il y a en gros ? Il l'a pas, c'est ça ? Raisin. Ouais, moi, je sais, dans notre Ponce la nuit, il y avait eu pas mal de soucis de micro, ou à pas mal d'endroits. En fait, comme c'est de la discussion, très souvent dans les autres Ponce la nuit, c'est pas spécialement gênant, parce que ça va, t'entends quand même bien.
Moi, je sais, dans le mien, j'avais réécouté vite fait des commentaires. Bah, comme en fait, du coup, tu discutes pendant 2-3 heures, il y a du bruit et tout, ça c'est normal, tu vois. Mais. Pastèque, cerise, orange. Je sais, ouais, nous, c'était difficile de vraiment comprendre, tu vois. Donc. Merci, Tony, c'est gentil. Pourquoi le mot pastèque m'a fait rire? Il l'a pas et ça coûte cher. Ah ouais, ok. Ah oui, parce qu'avant, il se le faisait prêter, c'était ça le truc. Cerise, pastèque, raisin. Cerise, pastèque, raisin. Oh lolo. Raisin, orange. Oh, je sais pas où c'est. Bon, tout le monde a l'air d'aller là. Je suis le groupe. On est en suiveur. C'est une rediff ce live, j'ai l'impression de t'avoir déjà vu perdre en boucle sur ce jeu. Ouais, faut qu'on arrête, hein, Fall Guys. Là, Fall Guys, de temps en temps, c'est bien, mais... T'avais juste retenu raisin. Non mais mec... Première win de perdre sur ce jeu. Tu veux jouer à la bêta de code? Moi, je kifferais bien tester, juste me faire mon avis, mais... Je sais pas si beaucoup plus que ça. À voir. Oh là là! Oh, ça, c'est qui tout double, ça. Là! Allez! Je me tâte le mollet. C'était assez agréable. Tu vois, déjà, il y a des gens, ils commencent... Ok, j'ai rien dit, je ferme ma gueule. J'allais dire, il y a des gens, ils commencent juste à côté. C'est vraiment pas faire. Yes, c'est... Ah si, j'ai eu un. Je suis très fort à ce jeu. J'anticipe déjà, je vais à l'autre. Belle anticipation, hein. C'est perdu. Ça pop hop là. Ah si. Oh, mais c'est grave! Faut aller ailleurs déjà. C'est grave! Mais c'est grave! J'ai envie de me frapper! Ok, tout va bien en fait. Il y a suffisamment de... Il y a suffisamment de, qualifiés. Parce qu'avant, quand je le faisais, c'était genre vraiment t'avais que 12 personnes, donc... Pas de self-farming. C'est la der der der. Non mais là, c'est la vraie der. Là, c'est... On est au bout du bout, là. Ah, juste, tu vois, on passe. Tranquille. Oh, yo yo, il y en a deux. Ah, des backpacks, ok. T'as jamais kiffé le zombie sur code? J'avais joué avec B-Boy... Jojo et tout. Et honnêtement, honnêtement, c'était sympa. Mais ça date, c'est vraiment, c'était il y a 3-4 ans. T'as des news du The Event. Non, c'est Zera qui donne les news. En vrai, il y a de la marge. Ouais, 24, en vrai, t'es tranquille. Ilyes, passe pour le 6ème mois. C'est Zera qui donne les infos du The Event, les amis. Évite les rhinos. Bon, allez, on se fait un bon rhino. Et ensuite, on est en finale. On gagne. Et on se mate le reportage du roi d'Era. T'en penses quoi de Zanko Valhalla? Il mérite d'aller encore plus haut. Deux. Bah par contre, mets-toi au mid. Ouais, parce que est-ce que si t'es au milieu, t'es jamais... Tu tombes jamais, non? On va tester. Dans le sens où même si t'es projeté... peut-être pas projeté suffisamment suffisamment fort quoi. Ah, en fait faut juste se mettre au milieu quand il y a ce truc là qui tourne. Ah parce que du coup tu brain les rhinos au milieu. Ah t'as juste à tourner au milieu en fait. Ah c'est sympa. C'est intéressant là.
C'est cool, ça doit pas vous donner la gerbe. Ouais, j'arrête un peu. Ouais, je retourne. C'est bien en tout cas, ça fait pas... Non mais en fait oui, comme tu tournes, y'a aucune chance de te faire taper quoi. Si tu fais que tourner. Parce qu'en fait comme lui va tourner aussi... Oh ça m'a fait mal au crâne. Ça m'a niqué. Le cerveau souffre. Bon, final. Allez, s'il te plaît, hexagone. File un hexagone à 7. J'aimerais... La queue, c'est le deuxième mieux, mais... Enfin, le pas la queue, la course, là. Pas le truc random. Pas le... Allez, c'est pour moi, c'est pour moi, c'est pour moi. C'est pour moi, c'est bon. C'est bon, j'ai loupé une fois. Ça arrive à tout le monde. Le temple, hein. Le temple, c'est horrible. C'est full random. Je comprends pas le temple. Allez. It's time, guys! Ok. Ils me font chier. En fait, le souci, c'est ça, c'est que t'as des mecs qui accélèrent de ouf, donc... Voilà, qu'est-ce que tu fais là? Là, t'essaies juste de tomber en bas bien. Je veux juste faire une vraie cassure. Ou du coup... Ah, tu vois, il m'a baisé. Et du coup, à force de vouloir faire une vraie cassure, c'est moi que je me baise, quoi. Mais je préfère tomber direct pour au moins être bien. Tu vois, mais du coup, lui, je le nique. Est-ce que j'ai un vrai intérêt à faire ça, en fait? C'est ça, le truc. Ah, dommage, il serait loupé, ça aurait été propre. Tu vas paraître une merde là, est-ce que je fais quelque chose d'intéressant? Ah, pas tant que ça quoi. Ça c'est un peu ça le souci quoi. Ça c'est que du coup t'agresses. Lui, il a tellement d'espace derrière, là. Ah oh, bah, il a gagné, lui. Ah oh, mais lui, il court, en plus. Oh, je suis à chier, j'y arrive pas. J'arrive pas, je suis nul, putain. Tempo pas en dessous de l'autre. Je pense que t'en avais... Il y avait lui qui était vachement bien. C'était le plus haut. Et du coup, il est descendu. Ah oh, là là. En fait, je suis beaucoup tombé sur les mecs du coup qui pressent, et peut-être que moi j'ai trop pressé aussi. Bon, après là, à la fin, c'était faisable. Oui, il est en panique, lui, là. Non, non, mais les mecs ont pas mal joué, les mecs savent jouer aussi, donc... Ah, j'aurais pas réussi à gagner. Tu peux tempo tellement plus entre chaque saut. Non, mais de ouf. Bon, en fait, le truc, c'est que tu peux tempo plus, mais si t'as 5 cases et que le mec te bloque, bah en fait, t'auras tes 5 cases, donc... Mais c'est peut-être pas intéressant, hein. J'essayais de tempo, enfin d'aller plus vite qu'eux à des moments. Mais j'aurais peut-être dû juste sauter sur place, quoi. J'aurais peut-être dû. Non, non, bah il a gagné, il a bien joué, lui. Hein. Merci pour les golds. Ah là, je vous ai régalé aujourd'hui. Hein. Ceux qui ont voté contre moi, j'ai été nul. Hein. Des synchros ou cheat? Non, c'est des synchros. C'est des synchros. C'est-à-dire, le mode spec, il est bizarre. Le tempo jump, tu le fais. Bah ouais, mais quand t'es un peu bien, quand t'as de la place, quoi. Tu vois, donc... Genre tu sautes et plonges sur chaque plateforme. Et ça fait quoi ça? Faut que ça te met dans la merde si t'as un autre gars qui arrive quoi, non? Bon, je pense qu'on va stopper là pour Fall Guys. Ça m'a bien tendu. Swag de Poule Rose qui nous offre 10 subs. Merci beaucoup frérot. Merci, c'est très gentil. Et bah j'ai été nul. Voilà, de A à Z. J'ai été absolument nul. Donc voilà, ça arrive.
ça arrive, ça nous a un peu tendu. Tu vas gagner quelques secondes à chaque fois. Ok, d'accord. Ok, après la proba de gagner est tellement plus faible que la... Ah bah oui, c'est une chance sur 60 quoi. Donc forcément, forcément c'est plus compliqué.